Nous allons reprendre dans les entrepôts de la dernière fois, les entrepôts donc de cours argent, où vous vous retrouvez face à une nuée entière qui vous entoure. Ils ont été payés par Ilar, le néolibien, pour vous éliminer. Vous vous trouvez à peu près au niveau de l'entrée de l'entrepôt, même si l'entrée elle-même, la porte elle-même est bloquée par sans doute une bonne dizaine de types. La plupart armés de coutelas, ils ont vraiment des allures de pirates avec des manteaux et des vêtements assez amples. Certains ont des bandanas sur le visage, d'autres des yeux crevés. Ils ont cette allure apocalyptique, mais on sent que c'est pas les nuées de justiciennes qui étaient souvent habillées de grands manteaux amples pour récupérer la poussière lors des tempêtes, ou qui mettaient souvent des capuches pour essayer de un peu faire passer un peu inaperçu face aux juges parfois. Et si on est vraiment, voilà, c'est presque mi-apocalyptique, mi-pirate. Ça tombe bien, vous savez qu'il y a pas mal de nuées de pirates justement aux alentours. Après, est-ce qu'eux en font partie ou est-ce qu'ils ont donc le look, ça, c'est pas trop sûr. Certains d'entre eux arborent également des tatouages à l'insigne de la ville de Toulon, qui venait d'ancien Toulonie. Vous êtes actuellement tous les quatre présents à l'avant. Pour rappel, autour de vous, vous aviez plusieurs coffres, enfin plutôt des caisses, dans lesquelles se trouvaient des pierres et des cordes qui visiblement serviront à couler vos cadavres dans la mer. Vous êtes armés donc pour certains. Mokosh possède son espadon, Eflux son vocodeur, Oui, tu possèdes ton fusil et ton dilacérateur. Même si, pour rappel, tu peux pas utiliser les deux en combat, tu dois sans doute soit en abandonner un, soit subir un malus. Ça peut être intéressant de subir un malus de temps en temps. Et toi, Jacquin, malheureusement, tu n'auras que tes poings, mais l'un d'entre eux est en métal, ça veut dire qu'il fait quand même relativement mal. Je vais pas faire des jets d'initiative pour chacun d'entre eux à chaque action de combat, parce que ils sont vraiment plus d'une dizaine. Mais je vais procéder par des actions de petits groupes. Enfin, vous allez voir comment ça va se passer. De toute façon, ils ne pourront pas vous attaquer tous en même temps, même s'ils ne vont pas faire la queue les uns après les autres, pour aller se faire décimer un par un, comme dans n'importe quel jeu Assassin's Creed. ils vont être obligés quand même de procéder un minimum par vague. Sachant que de l'autre côté, assez éloigné, se trouve Ilar, qui, lui, est protégé bien tranquillement. Nous allons toutefois procéder à un premier tour de table pour savoir ce que vous allez faire, sachant que c'est pas une vraie action de combat ou de jeu. C'est pour l'instant plus, voilà, quelles vont être vos positions, est-ce que vous dites quelque chose aux autres, est-ce que vous échangez quelques mots. Et du coup, à vous de me lire. Après, on pourra tout de suite enchaîner avec des premiers jets d'initiative. Alors moi personnellement, alors est-ce que donc on est complètement cerclé, je sais plus, ou alors ils sont en face de nous. En effet, ils décrivent de plus en plus une espèce d'arc de cercle autour de vous. Ils sont en train de vous encercler en vous regardant, mais puisqu'ils viennent de l'entrée, ils n'ont pas encore eu le temps de faire un tour complet, et surtout ils sont moins, le cercle se referme sur vous, moins ils sont nombreux. Okay. D'ailleurs c'est pas un cercle, c'est un demi-cercle puisqu'il y a la paroi qui vous bloque à l'arrière. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, je précise, vous avez Ilar qui parle et qui semble relativement fier de lui. Son visage arbore un sourire machiavélique. Vous voyez qu'il vous regarde. Et si jamais vous accordez un petit peu d'attention à ce qu'il dit,
vous l'entendez parler dans une espèce de cours au divin, qu'ici on est à Toulon et qu'on la fait pas au néolibien, et que vous aurez sans doute mieux fait de rester à Justicienne, et que malheureusement votre destin actuel est amplement mérité et nécessaire. Alors, du coup, tu nous as demandé ce qu'on faisait. Enfin, Exactement. Qu'est-ce que ouais. vous avez prévu de faire pour l'instant? Est-ce que vous en changez quelques mots? Est-ce que Moi. vous mettez dos à dos? Est-ce que vous partez en courant? Est-ce que vous essayez d'enfoncer la porte qui est derrière vous? Enfin, plutôt le mur du coup en tôle. Est-ce que vous criez à l'aide? Je ne sais pas. Ils sont combien? Ils sont une bonne quinzaine. Alors, à l'aide, je pense pas que ça va Si tu servir à prends le temps grand-chose. d'écouter, ils sont pour Aidez-moi! l'instant 13 exactement. Moi, personnellement, en tout cas, avant que quelqu'un dise quoi que ce soit, vu qu'a priori personne n'est pressé de lancer un plan, ce que je fais, c'est que je vais sûrement rapidement saisir mon espèce de gourde avec l'élixir. Attends, comment s'appelle? Avec mon. Ça y est, Avec tu vas mes droguer huiles de tes tes huiles. huiles et l'hydrène. Voilà, parce que ça semble une bonne occasion pour tester comment ça fonctionne. Parfait. Allez, va se droguer. C'est quoi C'est pas les de la lures? drogue, c'est du Ouais. placebo religieux. C'est du placebo religieux. C'est du vin de messe. Je regarde vraiment la posture de mes amis pour savoir si on part sur du combat ou s'ils ont l'air d'hésiter en fait. Je veux vraiment voir niveau posture si on y va ou. Je précise quand même, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment l'air d'hésiter à vous attaquer, même si, enfin, ce que je veux Je dire, parle de mes amis. ouais, dans la position. Non, mais je précise vous par rapport à eux. C'est Vous quoi le sentez que mieux? ça va être compliqué, par exemple, de négocier ou autre. Ils sont sur le point de vous foncer dessus. Bah, de toute façon, il l'a dit ouvertement qu'il fallait qu'il nous tue. Oui, Donc, voilà. il n'y avait pas de. Il n'y a pas Ouais. Non, mais le de... seul autre possible, c'est la fuite. Hein. C'est pour ça. Je veux juste voir si vous êtes en posture Oui. de prendre une charge ou si vous êtes en posture de faut qu'on se casse. C'est ça, ma. Oui, mais moi, j'aimerais savoir, du coup, il est ferme quoi les murs de l'entrepôt? C'est du parpaing, c'est du béton, C'est de la c'est du tôle. bois, de la tôle. Mais c'est de la tôle, mais renforcée au niveau de l'intérieur. Tu vois qu'elle est malheureusement n'importe quel ferrailleur pourrait s'introduire s'il suffisait de la faire fondre ou de la péter pour rentrer dans Mais l'entrepôt. c'est plein de tôles qui sont soudées les unes aux autres ou c'est une énorme tôle? C'est plus une espèce d'énorme plaque avec Ok. derrière des espèces de morceaux de ciment en fait de béton qui ont été coulés. Ouais, non, C'était plus de mais la tôle même d'ailleurs à l'extérieur qu'à l'intérieur. tu peux pas le casser, quoi. C'est compliqué Non, juste de de la tôle, ce piquer. serait très fin. Après, peut-être que, je sais pas si certains d'entre vous ont des explosifs, ça peut peut-être se tenter, oui, c'est sûr. Non, je pense pas qu'on ait des explosifs dans la poche. Enfin... Et en gros, là, l'issue de... Enfin, la sortie, elle est de l'autre côté des gens qui nous font face. Oui. En gros, si on veut sortir, il faut qu'on passe au travers de ces gens-là. Alors oui, vous avez éventuellement une sortie également de l'autre côté de l'entrepôt, mais il faudrait réussir à le traverser, qui permettrait de vous fuir cette fois-ci par, on va dire, l'avant des quais, quasiment vous jeter à la flotte. Vous le savez, si vous l'avez vu dans l'entrepôt d'avant, tous les entrepôts sont bâtis de la même manière. Est-ce que Ça se tord, hein. on a une idée, enfin, au jugé comme ça, est-ce que ça a l'air d'être des pélos, des vieux gars, genre c'est pas des milites, enfin, des guerriers de fous furieux quoi, genre c'est de la petite frappe quoi. En effet, c'est plus de la petite frappe, mais c'est vrai qu'ils sont assez nombreux et que certains sont Ouais. assez bien armés. Il y en a qui, Y a en pas d'un effet, vous peu? parlez de coutelas, vous en voyez d'autres avec des couteaux de lancer. Certains semblent avoir des fusils avec des harpons au bout, donc des équipements pêcheurs. Moins pour les. Enfin, plutôt des arbalètes à harpons que des fusils, pardon. Moins pour les arbalètes, mais quand même, il y en a un petit peu. Non, c'est compliqué, Et hein, parce bah, que moi, s'ils je sont en face propose de la fuite, très clairement. Je nous. propose la fuite. La logique voudrait que ce soit la fuite. Ouais. Maintenant, comment on peut fuir? Parce que s'il faut passer au travers d'eux pour pouvoir sortir, à moins Y que a les des flux nous fassent mais le gré de la honnêtement, mort. normalement, là, ils sont à deux doigts de nous foncer dessus, donc c'est vraiment qu'est-ce que votre instinct vous hurle, quoi. Enfin, après, c'est pas Mais moi, en gros, mais.
on n'a pas le temps de faire d'un plan. Donc moi, ce que je regarde chez vous, c'est juste comment vous êtes corporellement. Par exemple, Mokol, je suis à la rando se mettre de l'huile sur elle. Bon. Ouais, je suis prêt à fighter, moi. Mais... Okay, moi, je fais demi-tour et je fuis. Après, demi-tour, non, parce qu'on est dos au mur. Donc, faire demi-tour, c'est compliqué. Attends, la sortie est sur notre droite. Enfin, ou notre gauche. Entre vous et la sortie, il y a eux. En gros, il y a un arc de cercle devant nous. Enfin, un demi-cercle de mecs en face de nous qui nous bloque avec un mur dans le dos. Donc, en gros, il faut qu'on fasse une brèche dans ces gars-là pour pouvoir se donner une possibilité de fuir. Mais la deuxième sortie. Mais elle est sur un côté. Elle est à l'autre bout de l'entrepôt. Mais non, alors, c'est possible de le traverser, mais malgré tout, vu qu'ils sont entre vous, il faudra quand même faire une brèche pour passer à travers eux. Ah oui. C'est vrai que, d'ailleurs, j'y pense, la seule partie qui pourrait être en fait relativement aisément enfonçable par un bras, humain, mais en robotique du coup, en fait, c'est les portes. Puisque les portes, elles, sont pas bétonnées, par logique. Parce que je vous rappelle, on avait des portes, des petites portes qui ont été construites dans les grandes portes. Eh bien, les petites portes en question, elles, par contre, sont enfonçables. Et lui, par rapport au gars, il est où Lui, il est... donc, si vous êtes à un bord de l'entrepôt, lui, il est à mi-chemin, puisqu'il se trouve au niveau d'une espèce de bureau qui était installé tout au centre. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé peut-être la dernière fois, peut-être pas assez, mais... Quand même, à droite, à gauche, vous avez installé des caisses et des lanternes qui ont été déposées dessus. Donc, il y a même peut-être un peu plus loin une espèce de pile de caisses. Si jamais ça vous amuse, vous pourriez tenter éventuellement de les escalader. Il y a un petit peu de décor avec lequel interagir quand même. Vous n'êtes pas dans un endroit vide et désert. Mais il n'est pas rempli à craquer que comme l'ancien entrepôt où vous aviez volé les humains. Oui. Une troisième option s'ouvre à nous. Faire une percée pour prendre Hilar en otage. C'est pour ça que je te demandais où il était, en fait. Parce que si tu arrives à le choper lui et le mettre en danger, il pourrait tout à fait dire non, mais faites plus rien et on sort avec lui sans qu'il puisse nous attaquer. Mais faut-il déjà savoir où il est et est-ce qu'il est atteignable? C'est ça qui va être plus compliqué. Maintenant, on est obligé de foncer à travers eux pour s'ouvrir une porte de sortie. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être là le efflux time où il te sort son cri de la mort qui déstabilise peut-être plusieurs personnes pour nous donner une opportunité de se dégager. Moi, je sais ce que je peux faire, mais c'est pour ça que je demande à vous, parce que si on... je vous demande pas de réfléchir à ce que faire moi, je demande juste qu'est-ce qu'on fait. Quoi. Ma posture, elle est défensive. Pour l'instant, je peux rien faire d'autre que sur la défensive. Donc, j'ai mon dilacérateur en main, en mode, je vais pas foncer dedans, mais je suis en défense. Pour l'instant, je suis dans l'attente de l'ouverture qui peut me permettre de. Voilà. On nous fonce dessus virtuellement. Donc, s'ils nous foncent dessus, c'est-à-dire que voilà, il y a deux personnes là qui sont en train de se préparer à la confrontation, qui est toi et Mokosh. Et du coup, on a Jacquard. Moi, je fonce. Qui tourne en rond. Non, je fonce. Sur eux. Tu fonces, tu vas vers eux. Ah oui. La castagne. Ah, ok. C'est pas si con que ça, parce que vu qu'ils sont en train de se rassembler. Voilà, faut prendre l'initiative. Donc clairement, faut pas aller. Si on veut avoir l'idée de fond, si on veut faire une brèche, faut le faire quand ils sont encore un peu espacés et qu'ils n'ont pas eu le temps de remonter pour nous. Moi, je fais charge. Si tu cries charger, moi je charge avec toi. Parfois. Mais je crierai quand même à efflux de gueuler en même temps, tu vois. On a besoin de ton cri. Ok. Parfait. Je vais donc vous demander des premiers jets d'ego. Sachant que de ton côté, Mokosh, tu commences à sentir une espèce d'intense chaleur t'envahir et un sentiment d'invulnérabilité te gagner comme si tu étais capable de quasiment tous te les faire à toi toute seule.
Tu sens une rage profonde renaître à l'intérieur de toi et presque perdre absolument tous tes moyens. Si tu avais d'anciennes cicatrices ou blessures qui pouvaient te faire mal de temps à autre, même si tu prêtais plus attention, là tu les sens plus du tout. Tu es plus focalisé par ces êtres vivants qui bougent. Et par cette sens voilà, ce sentiment de protection, tu pourrais mettre ta main dans un feu pour récupérer une bûche, que ça t'embêterait pas plus que ça. Je vais donc vous demander un jet d'initiative. Pour rappel, vous avez le droit de jeter jusqu'à 3 points d'ego pour augmenter vos dés à l'initiative et durant lors de votre premier test, pardon. L'initiative, c'est quoi? Ouais, je me rappelle plus, c'est quoi? Je pense que eux tous. Alors, ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est Fichier un jet réactivité. de. Fichier réactivité. Exactement. Fléchés réactivité. Sachant que eux, je le dis, je l'annonce à haute voix, vont collectivement dépenser un point d'ego. En fait, je fais un test collectif, parce qu'ils ont à peu près tous les mêmes stats en termes d'initiative. Et simplement, avec les résultats, je les fais arriver par vague. C'est plus simple que de faire 13 lancers de dés. La fille. C'est quoi du coup? Quelle horreur. Quelle horreur. C'est quoi? Psyché réactivité. Réaction. Réaction, d'accord. Alors, Tu peux rajouter de l'ego. 4. Regardez-moi cette horreur après avoir mis 2 en ego. C'est Aïe. juste. C'est déprimant. Attendez, attendez. Non, parce qu'il y en a un que j'ai mal placé. C'est encore plus triste parce qu'il y en a un du coup où c'est un crâne. Ah merde! On va t'avoir. Voilà, deux égos dépensés. Aïe. Que du neutre et un mauvais. Jacquard nous fait un super résultat là. Ouais. Ouais, 6 réussites de dé. Ah, c'est dommage, vous n'avez pas réussi à avoir de 3 déclencheurs. Il manque plus que toi, Toric. On est sur du 4 succès, 2 déclencheurs. Ok. Très bien. Donc Jacquard, tu vas commencer par jouer en premier. Tu vois qu'il commence à se rassembler et que la première vague qui se pose à votre niveau est massivement constituée d'hommes et de femmes armés de coutelas. Alors Tu moi. vois que la plupart d'ailleurs on semble être vraiment là, en l'occurrence, des petites frappes presque adolescentes. Imberbes, à peine cicatrisées comparé aux gros bras qui se trouvent derrière, ils envoient clairement les gens par hiérarchie. Je vais foncer sur la gauche Ouais. de façon à en me rapprochant de plus en plus du mur, de façon à être couvert sur ma gauche et avoir mon bras droit. Alors je vais toujours garder une garde comme ça et de faire en sorte que mon bras droit, en gros, je vais l'utiliser pour parer, quoi. Ok. Voilà, robotique. En effet, alors que tu t'approches d'eux, tu vois que l'un d'entre eux commence à s'élancer. Après une espèce de petite pause très brève, Hilar attendra quelques secondes et lancera l'assaut avec un simple tuez-les. Le premier d'entre eux se jette sur toi, tu vois qu'il commence à crier. Son cri résonne à l'intérieur de la salle et t'assène un violent coup de coutelas. Sur Aïe, le aïe, bras, justement, métallique, le truc résonne d'un seul coup. Vu que t'as un manteau long, on voit pas forcément énormément ton bras de l'autre côté. Je te laisse me dire. oui, c'est exactement ça. Oui, effectivement, mon manteau remonte jusqu'à ma main et tout. Et... Parfait. Du coup, j'imagine que tu lui donnes un coup de poing, tu tentes de le désarmer. Je suis, bonne idée. Alors, il y a quoi du coup? C'est un coutelas C'est ça, il a un coup, là, une espèce donc d'épée un peu courbée. De le saisir au poignet, vraiment, et de Ouais. lui écraser pour qu'il lâche prise et récupérer son arme. Si c'est possible de faire tout ça. C'est ça, une espèce de petite machette presque légèrement courbée. Très bien. Du coup, je vais te demander un jet de body force, s'il te plaît. Non, plutôt Body. body brawl et body force. Body brawl, ça va être pour le choper au corps à corps.
Ok, et du coup, attends, je fais lequel? Alors, d'abord Body Brawl? Ouais, d'abord Body Brawl. Ok. Étant donné que c'est un jeu combiné, les déclencheurs vont être conservés d'un test à l'autre. D'accord. Je vais dépenser un point d'ego. Ok. T'as dépensé... Non, non, attends, t'as dépensé combien de points d'ego déjà? 3. Du coup, t'as le droit déjà à 3 dés supplémentaires, si jamais, pour rappel. À ta première action. C'est cumulable? Bah, c'est à ta première action que tu gagnes 3 dés supplémentaires. Tu gagnes 3 dés pour ton jet d'initiative et à ton premier test. Ok, d'accord. L'initiative, ah ouais, de combat, l'ego en combat, c'est double bénéfice. J'ai dit que du coup, ça fait 6 réussites, 3 déclencheurs. Ouais, c'est ça. 6 réussites, 3 déclencheurs. Ok. Très bien. Du coup, en effet, tu le chopes au bras et d'un seul coup, tu commences à resserrer. Alors, tu le chopes avec ta main métallique ou pas? Oui, justement, c'est pour ça, je veux le broyer. C'est ça, tu lui broies le poignet. Vous autres, vous entendez le bruit des os qui se compressent et qui s'éclatent à l'intérieur. Lui lâche automatiquement son arme et pousse un hurlement abominable. Et va subir déjà un certain nombre de dégâts. Très bien. Du coup, en effet, il est désarmé et surtout, il pourra sans doute difficilement continuer à se battre avec ça. À ce moment-là, nous allons passer au test de Torik. Torik, qu'est-ce que tu fais? Eh bien... Il faut qu'il se rapproche dangereusement de vous et qu'il s'apprête à vous attaquer. Bah, je pense que je vais attaquer le gars le plus proche de moi, hein, parce que je suis... Je suis Jacquard dans la même direction que lui pour essayer de d'avoir au moins une zone où il y en a moins pour qu'on puisse au pire s'ouvrir une brèche. Avec quoi est-ce que je vais attaquer le premier mec que je vois avec mon dilacérateur. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, tu déposes ton fusil ou tu le gardes dans le dos? Oh, je vais les garder dans le dos, enfin je le prends pas, je les garde. Tu vas avoir un malus de 1 dé à ton test. Oh, mais t'aurais pu le passer ton fusil! T'es surencombré, donc c'est pas pratique de combattre avec le fusil dans le dos. Ok. Bah, le problème c'est que je suis obligé de le faire, parce que si on est dans une optique de fuite, je pourrais perdre mon fusil qui resterait là. J'ai pas le choix quoi. Du coup. Je verrai ça après. Tu veux, il y en a deux que tu peux frapper. Il y a soit la petite frappe adolescente qui est en train de se faire broyer la main par Jacquard et qui donc est immobile. Soit à côté, tu as un mec de petite taille blond avec un nez cassé qui lui aussi est plat et qui se dirige dans votre direction. Non, mais lui, il en a déjà un. Je vais pas aller chercher le même. Okay. Donc, je tape avec quoi alors? Ça, c'est quoi le truc? C'est à body. Alors, du coup, body mêlée. Body mêlée. Et est-ce que tu as un malus 3... du coup de 2D avec ton dilacérateur? Parce ouais, que tu as un malus de base et un malus de 1 pour l'encombre. Et j'avais fait, par contre, j'avais pas dit, mais j'avais pris 3. 3 de machin là. De... Ah, d'ego. J'ai ajouté 3 d'ego. Du coup, j'ouvre les 3 d'ego, je les mets là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Moins les 2 dés de malus que t'as, donc ça te fait un ego en plus. Un ego en plus. Donc c'est body melee, donc ça fait 7 8. Et un 8. Je vais faire sa défense. Ouais, c'est vraiment de faire quelque chose de sympa. Alors j'ai 3 succès, dont 2 déclencheurs. Ok, ça passe. Ça passe. Tu vois, tu chopes ton dilacérateur et le petit blond nez cassé se dirige vers toi, pareil, en criant. Il essaie de se donner du courage, lui, au reste des troupes qui d'ailleurs font une espèce de brouhaha tonitruant. Et au moment où il lève son coutelas pour essayer d'asséner un coup, simplement, toi, tu le plantes au niveau du ventre en le transperçant avec ton dilacérateur. Ça lui fait vraiment mal, puisque ça lui fait 6 divisé par 3, 2 plus 4. 6, t'as fait combien de déclencheurs en tout? J'en ai fait 2.
Oh oui, ça lui fait très bobo. Ça lui fait 9 de dégâts. Tu lui plantes complètement ton dégât serrateur dans le ventre, et sachant que tu as fait 2 déclencheurs, donc tu es suffisamment adroit pour avoir le droit soit d'utiliser ton la propriété de ton arme qui est lacération. Donc étant donné que tu as fait 2 déclencheurs, tu peux rajouter 1 des 6 à ton jet de dégâts. Ou alors tu utilises ta compétence dilacérateur, donc c'est soit dilacérateur, soit lacération, qui fait que tu obtiendras plus 1 dé, ah non, plus 2 dés, pardon, à tes prochains jets d'attaque et à ta défense passive. Et à tes prochains tests de défense, pardon, jusqu'à la fin du prochain tour. Je sais pas si c'est clair, c'est vrai que c'est le premier combat qu'on fait depuis longtemps, donc on est un peu obligé de remettre tout en place. Soit tu fais plus de dégâts, soit tu auras des bonus à l'attaque et à la défense jusqu'au prochain tour. Je préfère avoir les bonus, honnêtement. Ouais. Je pense que c'est plus intéressant. Ouais. Par contre, est-ce que... Parce que je ne me rappelais plus. Quand tu faisais 2 dés à ton... quand tu faisais 2 déclencheurs pendant ton jet d'initiative, ça te fait un... Ah, il faut 3 déclencheurs pour avoir... Ah, d'accord. 3, ouais. Je me rappelais, j'avais plus souvenir si c'était. Ok. Il n'y a pas de souci. À ce moment-là, on va passer à leur tour. Ils sont en train de vous rassembler. En fait, il y a un petit groupe qui s'est vraiment rassemblé à votre niveau. Et le premier d'entre eux va tenter de dégager son pote en prise avec Jacquard. Du coup, Jacquard actuellement a une défense de 2. Et c'est touché. J'ai fait 3 réussites. C'est déjà pas terrible. Jacquard, tu te fais agresser par un premier type avec un coup de là. Malheureusement, lui, il arrive sur ton côté, t'étais moins protégé à ce niveau-là, et il commence à donner un violent coup qui, heureusement pour toi, rebondit en partie dans l'armure. Enfin, dans l'armure, dans le bras, enfin, le haut du bras, puisqu'il t'attaquait au niveau de l'épaule. Tu vas quand même subir, je vais mettre ta fiche à jour immédiatement, tu vas quand même subir 4 points de dégâts. Juste, je viens de noter que dans mes potentiels, j'avais corps de métal, force plus 2. Je ne sais pas si ça a été pris en compte ou quoi. Oui, ça a été pris en compte. Ça a été pris en compte. Ok, merci. La force plus 2 est déjà ajoutée à ta feuille. C'est juste pour expliquer d'où est-ce que ça vient. Ok. Du coup, en effet, là, tu sens que tu t'es pris un coup qui s'est à moitié pris entre le mécanisme de ton armure et ton épaule. Ça te blesse un peu. Tu sens que tu as du sang qui coule le long du dos. Mais c'est pas mortel et tu t'en sors à peu près. Il y en a un autre qui, lui, va se diriger vers Torik. Enfin, va se diriger comme il peut, puisqu'il est embroché au bout de son dilacérateur. Il va tenter de s'en prendre à lui. Malheureusement, c'est pas suffisant, tu vois, c'est assez presque cartoonesque comme scène. Il est embroché au bout, il n'arrive plus à respirer, il essaie juste de donner quelques coups... à bout de bras, mais en fait, t'es beaucoup trop loin, ta portée est vachement plus importante que la sienne, et avec son coup de là, il a une portée très courte. Alors que toi, ton dilacérateur, une fois planté, ça te permet de te maintenir vraiment loin de lui. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette arme, quasiment. En tout cas, un des principaux intérêts. Du coup, il est incapable de toucher de loin, en plus, il a super mal, donc il est pas précis du tout. On va passer Flux. Flux, ouais, c'est un petit peu différent. Tu verras pas d'où est-ce que ça part, mais il y a un couteau de lancer qui se dirige dangereusement dans ta direction. T'as vite fait le temps de le voir arriver de côté. Est-ce que tu tentes de l'esquiver de manière passive, de manière active, pardon, en mode tu te jettes sur le côté, ou est-ce que t'es concentré à faire autre chose et tu pries pour qu'il passe à côté? Pardon? Passive. Ok, très bien. Donc ça nous fait une défense de 2. Malheureusement pour toi, le couteau va venir se planter au niveau de ton armure. Ton armure qui est de combien d'ailleurs ? 2. De 2, très bien, donc tu vas également perdre 4 points de vie. Okay. Tu sens qu'en effet, ton armure a naturellement amorti le coup que tu viens de te prendre, mais tu sais que ça a touché au niveau du flanc, et pareil, tu sens une lame plantée à l'intérieur de tes côtes. Mokosh, tu as également un homme qui se dirige vers toi, mais cette fois-ci, lui, c'est avec une espèce d'épée longue, assez grande, et il essaye de t'asséner un violent coup de loin. T'es plus imposante que les autres, donc il s'approche pas trop près. Est-ce que tu te défends de manière active ou passive ?
Passive, je pense. Ok, très bien. Eh bien, ça ne touche pas. C'est dommage parce que c'était la seule qui aurait pu être blessée sans trop de problèmes. Il essaie de donner le violent coup et sans bouger, la lame passe complètement à côté. Genre, elle semble te traverser, mais elle passe sous le cou et sous la poitrine sans rien toucher. Il est là, sa lame qui est assez lourde parce que c'est une grosse épée, tombe au sol, s'éclate par terre et il te regarde étonné de rien voir saigner du tout. À ce moment-là, on va passer à Flux. Que fais-tu? Bonne question, parce que je comptais balancer une vague avant qu'ils nous touchent, mais comme ils sont déjà en fait au corps à corps, c'est foutu maintenant. Du moins, La bien. plupart, enfin, la plupart sont quand même encore derrière. Si jamais tu veux balancer une vague, elle sera pas perdue. Ils sont combien là au corps? Pour l'instant, encore à corps avec vous, donc ils sont 3, puisqu'il y en a un qui a jeté un couteau de lancer. Donc ils sont encore 10 derrière, même s'ils sont pas 10 groupés. Après, tu as une bonne portée, il me semble, avec ton vocodeur. C'est le vocodeur que tu as, l'angle là que tu m'as envoyé? 45, oui, c'est 45 degrés. Du tout, hein. Tu sais que tu peux en avoir facilement 6 ou 7. Ah, bah ça va, ils sont quand même groupés quand même, hein, parce que sur 45 degrés, c'est. Du coup, ils sont quand même groupés. Bah, avec 45 degrés, vu que vous êtes déjà dans un demi-cercle, et que comme je dis, ils sont en train de se répartir, la masse, tu peux en choper vraiment la moitié, si c'est même pas plus. Ok. Du coup, tu vas agir avec ton vocodeur. Du coup, en vrai, je pensais que c'était un peu plus au corps à corps, mais s'ils sont que 3, ouais, bah du coup, j'ai quand même balancé une vague de vocodeurs sur ceux du fond pour. Oui. Je sais qu'il y a des armes à feu dans l'eau. Les autres sont bel et bien juste derrière, mais c'est vrai que là pour l'instant c'est la première vague. Je dirais même que c'est plus la vague qui est là pour vous tester que envoyer tout le monde sur vous d'un seul coup. Même si les autres arrivent juste derrière au round de suivant, ils vont pas se laisser défoncer. Du coup, le vocoder, je vais juste aller vérifier le test en question qu'il fallait faire. Je sais que c'était une combinaison. Donc c'était un peu à double tranchant les vocodeurs, parce que c'était plus facile d'échouer, mais en même temps ça peut faire des trucs plus cool. Alors, arme sonique. En effet, ça va être une combinaison d'intelligence technologie, pour commencer, avec un bonus égal au nombre de points d'ego que tu as dépensé. Donc intellect, technologie, c'est engineering. Avec un bonus égal à ton bonus d'ego. Il me semble pas Je suis juste en train de. qu'on a. Oui, il n'y a pas de souci pour autant. Si réussi. C'est réussite? Ok. Pas de déclencheur? Non. Malheureusement. Si réussite, c'est largement assez pour passer au test suivant. Qui donc, lui, est un test de psyché domination qui sert donc à moduler ta voix. Donc là, pour l'instant, tu as réglé le vocodeur, tu te diriges alors dans leur direction et tu t'apprêtes à balancer ta voix. Et d'ailleurs, pour indiquer un peu, en fait, je vais pas le faire sans restant statique. En fait, l'idée à la base, c'est que je me place vraiment au milieu entre la position où se trouve Toric et Jacquard et la position où se trouve Mokosh. Comme ça, je l'an que je touche et celui qui est C'est une bonne idée. potentiellement impossible de toucher les deux groupes, quoi. Tu auras un bonus de 1 à ta défense passive lors du prochain tour. Je le note de côté, mais tu pourras me le rappeler aussi. Cher. Quatre réussites et un déclenchement. Ok. Je vais faire un test général pour celui-là aussi, et ça passe. J'ai fait 3 réussites dans un déclencheur. Et même 3 têtes de mort, je sais pas si je peux les interpréter. Du coup, tu te diriges dans leur direction. Malheureusement pour toi, tu n'auras pas fait beaucoup de déclencheurs, mais d'un seul coup, tu balances une espèce de cri énorme. Vraiment, il faut imaginer, c'est une arme sonique, hein. Ça balaye la zone, et les gens ici n'ont pas l'habitude de voir les chroniqueurs. Autant vous êtes peut-être un minimum habitué, mais même pas, vous êtes, sauf Mokosh, genre vraiment abasourdi, vous entendez vos tympans siffler sous ce truc, alors vous n'êtes même pas dans le champ d'action. D'un seul coup,
le cri de Veflux par. Est-ce que tu dis quelque chose en particulier? Ou est-ce que tu fais jauger un bruit plutôt qu'on va, je suis vraiment là, je vais faire du bruit. Ouais, c'est un bruit métallique. C'est ça, un bruit métallique. On a l'impression d'avoir une espèce de une serre mécanique qu'on actionnerait face à un tableau à craie. Le truc est strident au possible. C'est si fort que vous voyez la poussière se lever lors du passage. Vous voyez quasiment l'onde à traverser le truc. Les gens devant sont gênés, certains se bouchent les oreilles, vous voyez du sang couler de certaines autres. Certains semblent moins y être gênés que d'autres. Y en a qui peuvent plus facilement se boucher les oreilles aussi, notamment ceux qui ont que des armes à une main. Malgré tout, ils ont relativement été gênés, et ton arme fait... 1 fois, ok. Mais ça reste... assez minime, ça n'a pas l'air du tout d'ébranler leur détermination de combattre. Mais ce n'est que le premier round, ça pourrait changer par la suite. Donc, je le précise également ici, du coup. Plus vous les tuez, plus vous du coup les affaiblissez. Mais il y a également du coup leur réserve d'ego, qui une fois réduite à zéro, leur fait complètement quitter le combat. Je donnerai pas son niveau, mais du coup, elle baisse au fur et à mesure qu'ils se fatiguent en combattant, et surtout que Flux puisse les attaquer. Parce que normalement, ils vont pas se battre jusqu'à s'écrouler, il n'y aurait pas de raison. On va passer sur un dernier d'entre eux qui va rien faire du tout. Qui va juste, bon, vous voyez, au bout d'un moment, sans doute qu'il a jeté au moment de l'onde un couteau passé et se planter dans le mur juste derrière. Nous allons passer au round suivant, et je vais vous également vous laisser refaire un test d'initiative tandis que j'en fais un également. Attends, la défense passive, ça m'empêche pas de faire un tour, non? Ah oui, excuse-moi, je t'ai complètement zappé, mon gars. Je suis vraiment désolé, t'avais fait de me parler. Je sais que je suis sûrement parmi la dernière, je suis genre la dernière à agir, mais... Oui, je t'ai complètement zappé, je suis vraiment désolé. Du coup, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais... réagir tout à fait naturellement au gars qui m'a attaqué et au fait qu'il est sûrement... déstabilisé par le bruit de flux, et je pense que je vais juste faire tomber mon épée de tout mon poids sur lui. Ok. Donc en le tapant dessus ou vraiment en le plaquant au sol quand tu dis que tu tombes tout son poids dessus, c'est en lui donnant un coup d'épée ou le plaquant? Oui, un coup d'épée. D'accord. Je fais de tomber mon épée de tout son, tout son poids. Parfait. Dans ce cas, je te laisse me faire un jet de body melee avec un bonus égal au nombre de points d'ego que tu as dépensé. Ok. Et ça fait 5 réussites. Ok. Pas de déclencheur? Non, aucun. Ok. Tu tapais sa défense passive, donc ça marche. 5 réussites. Très bien, donc tu lui fais un total de... Ça lui fait un total de 8. Ouais, ça... Oui, c'est ça que tu tabasses. Ah oui, c'est ton nouvel espadon également. Il est mort. 8 plus force divisé par 3. Sachant qu'en force, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 également. Donc ça va rendir, voilà, on va rendir à 3. Il fait 11 dégâts. Donc tu te jettes sur lui, tu lèves ton épée et tu vous donnes un violent coup. Vous voyez l'épée quasiment le transpercer en deux. Elle reste bloquée au niveau de la colonne. Malheureusement, t'arrives pas à la retirer, t'as pas fait de déclencheur. Elle est bloquée à l'intérieur de lui, il pousse un hurlement abominable. Il lâche évidemment son arme au sol et il est incapable de bouger, son bras semble pris de spasme, tandis que l'espadon rentre dans sa chair et que le sang se projette partout autour. Du coup, cette fois-ci, je vous laisse faire à votre nouveau test. Nouveau ego à dépenser si on veut de l'ego. C'est ça, exactement, nouveau point d'ego à dépenser. Sachant que eux... Ouais. Réalisent que vous êtes plus dangereux que prévu et vont dépenser également de l'ego. Ok. Et ben, je vais dépenser 2 points d'ego. Hop. Ok. Bon, bah. Une réussite. 4 réussites. Ok, très bien. Du coup, on va commencer par eux. Vous avez un homme
qui se trouve un peu plus au loin. Cet homme, il est un peu spécial. Il a un œil crevé et il est assez petit. En fait, en réalité, d'ailleurs, même, vous le remarquez, c'est un nain. Donc, il a un œil crevé et a profité d'une espèce d'ouverture pour tirer avec un harpon arbalète, non, une arbalète à harpon plutôt, sur Mokosh. Est-ce que tu souhaites faire une défense active ou passive? Eh bien, franchement, non, je veux dire passive. Ok. Le harpon se plante à ton niveau. Heureusement, pas si profondément que ça. Il tape relativement dans l'armure également. Malgré tout, tu vas subir un point de dégâts. En réalité, de ton côté, tu as plus l'impression qu'il vient de s'attacher à toi plutôt que toi vient de t'attacher à lui. Puisque tu le sens à peine la douleur et que tu es désormais directement relié à la corde avec ce dernier. Tu as également en parallèle un autre petit C'est objet, un couteau. Est-ce que tu fais une défense active ou une juste défense c'est passive? des harpons. Pardon? C'est des harpons avec avec une corde ou ou alors Un c'est seul. juste le. D'accord. Alors tous n'ont pas de corne, mais celui-ci en a visiblement une. C'est clairement pas une arme pour chasser de l'anabaptiste à la base. Du coup, est-ce que tu défends activement également face à celui qui te jette un couteau? C'est encore à Moi? moi? Ouais, c'est encore à toi. Il t'attaque toi également. Ils ont fait très bon jet, donc certains vont attaquer plusieurs fois. D'accord. Ben là, je pense que je vais bouger en effet, donc je pense que c'est plus actif qu'autre chose. Ok. Pareil, tu te prends un couteau dans l'épaule. Et cette fois-ci, par contre, tu perds un point de vie. Ouais, difficile de bouger quand on a une épée plantée dans quelqu'un. Étonnamment, pareil, le couteau se plante parfaitement, mais tu sens quasiment rien, t'as l'impression qu'il s'est à peine enfoncé. Et au-delà de tu sens rien, t'as pas l'impression que ce soit simplement une espèce de douleur qui serait effacée. Ça a également l'air de vraiment ne pas t'atteindre pour une raison assez obscure. J'imagine que l'huile, tu t'en es mise un peu partout de manière un peu en vrai, sans faire trop plus attention que ça. Celui au sol va tenter de ramasser son arme, mais peut pas du tout. D'ailleurs, il vient de faire un échec critique, donc j'en déduis qu'il meurt. Il tente de tirer jusqu'à son arme et de la ramasser. Et au moment où il tire vraiment son bras, d'un coup, sa blessure s'ouvre totalement et vous voyez divers organes et flots de sang s'écrouler au sol, suivi de l'homme en question qui s'éteint complètement. Ah, très bien, nous allons passer cette fois-ci à Efflux et Mokosh, vous allez agir en même temps. Donc vous pouvez me dire dans l'ordre que vous voulez, ce que vous faites. Je pense que je peux laisser me cocher parce que de toute façon on n'agit pas sur la même personne. Eh bien, moi, vu que Efflux ne veut pas agir, je vais. Non, je vais. Mais non, je plaisante. Je vais. Bah, je pense que je vais simplement. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je vais. Parce que je pense. J'ai pas l'impression que ça a été le cas. Enclencher l'aspect incendiaire de mon épée. Je vais allumer le feu. Ok, c'est ça. Du coup, bah, pour l'instant, ton épée, elle est plantée dans un corps. Donc, est-ce que tu utilises ton action pour la détacher? Enfin, pour essayer de la retirer? En réalité, parce que je sais pas comment Ouais. ça fonctionne de l'allumer, mais je comptais justement sur les flammes pour pouvoir la retirer plus facilement. D'accord, ok. Mais du coup, en effet, en fait, c'est tout con, t'as une espèce de double levier qui, tous les deux, sont reliés. En fait, t'as plus, comment dire, plus comme une poignée d'un côté et une espèce de levier de l'autre. Du coup, le mélange entre une poignée et une gâchette d'armes à feu, si on peut dire. Les deux sont reliés à des petits tuyaux, à des espèces de petits réservoirs qui sont placés sur les côtés et également qui peuvent passer au niveau de ton bras. L'un d'eux relie un tuyau qui va jeter du pétrole sur ton arme et un peu autour. Et l'autre va balancer des flammes comme un briquet, en fait. L'idée étant que, du coup, le pétrole prend feu, les flammes suivent le long de l'épée.
et sans doute la cible qui elle-même s'est faite asperger. Eh ben, génial. Et du coup, j'en profite pour l'attaquer. Si tu appuies sur les deux en même temps, ça fait une espèce de grosse lame. Je vois. Ok, du coup, en effet, tu commences à actionner les deux trucs et le corps au sol qui était censé être mort, enfin qui est mort d'ailleurs, commence à prendre feu. Et en effet, en plus de cette odeur de viande cuite qui commence à parvenir à vos narines, tu vois les, la lame doucement glisser et le corps tomber au sol. Et en effet, vous avez, si certains prennent une seconde pour regarder, c'est assez rapidement cette impression de viande cuite au niveau des bras. Du coup, si tu veux, je peux t'autoriser une attaque, mais l'adversaire aura un bonus à sa défense, puisque tu viens de retirer ton arme en même temps, donc il a eu le temps de s'y préparer. Oh, Je pourrais donner un malus à l'attaque aussi, mais c'est moins rigolo. Oui, oui, non, mais je vais faire ça, je vais attaquer malgré le malus. Ok, qui est-ce que t'attaques? J'imagine le gars qui lance des choses, parce qu'il, enfin, qui lance les... Comment ça s'appelle? Les harpons. Ouais, le harpon, parce que c'est quand même assez compliqué. Et même si moi, je peux y tenir, s'il se met à attaquer quelqu'un d'autre d'un peu plus fragile, il finit. Il n'est pas vraiment à portée, malheureusement. Il n'est pas à portée? Bah du coup, il est, il est à quelques mètres avec son arbalète. D'accord. Bah écoute, je pense que je vais sacrifier mon attaque pour juste foncer vers lui comme action. Ok, d'accord. Tu fonces dans sa direction et tu vois qu'il s'y attendait pas du tout. Il commence à ouvrir les yeux de manière très écarquillée parce que du coup, tu fonces dans la foule quasiment comme ça. Pendant ce temps-là, étant donné que les actions se passent en même temps, et Flux, si tu veux, tu peux retaper dans le tas sans trop de soucis. Je précise également du coup que tu es couvert des deux côtés, donc c'est plus facile pour toi d'esquiver, comme je le disais. Exactement. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que ce tour-ci, je vais juste... Je sais pas si ça compte comme une action ou juste une petite manœuvre, tu me dis, sinon je vais voir si c'est possible ou pas. Ouais. Mais juste sortir un des couteaux de lancer que j'ai, parce que j'en avais acheté. Ça, c'est possible. Je veux dire que c'est gratuit, je suis pas très porté, je suis pas très à cheval sur les actions. Bon, c'est au moins comme ça, c'est juste pour être sûr. Et je vais quand même relancer un coup de vocodeur, sauf que cette fois je vais rajouter la parole. Malheureusement, je peux pas faire d'effet sur ma voix parce que j'ai perdu mon profil de voix modifiée, mais on imaginera que du coup c'est une voix qui résonne. En leur disant, je mets le goût de vocodeur, et au mieux que ça fait un bruit métallique, je leur dis « Fuyez, pauvre fou !» Parfait, je te laisse dans ce cas me faire ta combinaison de tests avec un bonus de 2D à ton test de psyché domination. Ok. Le premier a fait 3 réussites avec un déclencheur. 5 réussites et 2 déclencheurs sur le deuxième. Ok, très bien. En effet, donc tu saisis ta lame et tu commences à entonner cette espèce de cri. Au moment où tu fais ça, ton armure, du coup, qui a presque cette apparence de couronne autour du visage, commence à presque s'illuminer. Certains sont balayés de terreur, d'autres semblent encore plus intensifier leur détermination à te foncer dessus. On te voit actuellement comme le chef du groupe, donc à la fois la personne la plus dangereuse à abattre et à la fois la personne la plus dangereuse. Néanmoins, un petit groupe à l'arrière semble se détourner, notamment un homme qui lui était équipé de deux coutelas en l'occurrence, et une femme avec quelques couteaux de lancer. Complètement blessé, donc les oreilles en sang, ils se dirigent à nouveau vers la porte de sortie. Vraiment, ils étaient à l'arrière, ils se détachent du groupe et se dirigent sans que personne ne les voit. À part vous, vu que vous êtes face à eux. Il me reste encore cette fois-ci... Ah oui, 2-3 personnages à jouer. L'un d'entre eux va tenter de jeter un couteau de lancer sur Efflux, mais c'est difficile de l'atteindre. Et ça ne passe pas, ça ne passe pas, j'ai fait... deux réussites dont un déclencheur, mais Flux a une défense passive de 3 ce tour-ci. Puisque Flux est positionné de manière assez stratégique. Il y en a un autre qui, lui, va tenter de s'en prendre à toi. Torik. Il va tenter de te planter avec son couteau. Il se rapproche dangereusement encore. Est-ce que tu fais une défense active ou passive?
Passive. Alors, est-ce que mon bonus fonctionne avec ça ou pas? Oui, du coup, ton bonus fonctionne. Eh ben voilà, Ok. passive. Du coup, en effet, il se dirige dans ta direction, il dégaine son couteau, arrive même à te placer une main sur l'épaule, mais grâce à ton bonus, pareil, parce que j'ai fait trois réussites sur mon test, grâce à ton bonus, tu arrives au dernier moment à sortir le dit lacérateur, en fait, et à le frapper, mais avec le côté du truc, alors ça lui fait vraiment des dégâts, mais ça le dégage complètement sur le côté, et ça l'envoie contre le mur derrière vous de tôle, il se le prend en pleine tête, et il est presque assommé. Ça, c'est une manœuvre que tu avais répétée des tas de fois. Et en plus, j'ai fait quelques échecs critiques. Donc, c'est pas un test qui est très bien réussi. C'est militaire. Il a posé la main sur toi, tu as dégagé le Ouais. truc, tu l'as frappé sur le côté. Tu as déjà combattu des ferromanciens. Lui, à côté, il fait pas le figure. Cependant, à Juste. côté, incroyable, un autre type se jette également sur toi. Exactement le même. En l'occurrence, c'est pas le même, la même personne, mais il lui ressemble trait pour trait, sans doute un frère jumeau ou un clone. Bon, le frère jumeau est sans doute plus probable. Pas, j'ai pas l'impression. Mais... Alors, je vais juste regarder pour le micro. Voice. Non, normalement, je suis sur le bon micro. Non, non, j'entends bien, le son est propre. Sur le bird et pas sur la web. Parfait. Très bien. Du coup, lui va tenter de s'en prendre à toi également. C'est pas vrai. Bah, pareil. Ton bonus te Ouais. sert parce que j'ai fait exactement le même résultat. Ah, J'ai t'entends bien, fait il lui ressemble vachement, donc il a fait la même chose. trois réussites. Oui, c'est vrai. C'est donc son jumeau fait exactement le même résultat. Donc trois réussites, deux riens et deux têtes de mort. Donc les deux seraient passés en temps normal. Donc je le rebalance contre le mur, et comme ça il fonce dans son pote qui a déjà pris une deuxième taloche. Ça. Lui, pareil. Alors lui, en l'occurrence, t'es obligé de retourner ton arme et tu lui donnes un coup avec le morceau en verre où il y a le mollusque en plein visage, il tombe en arrière. Heureusement, tu vois le truc un peu fissuré, mais t'as pas tapé trop trop fort non plus. Il s'éclate au sol et en parallèle, on a un dernier qui lui va s'en prendre à Jacquard. Jacquard, est-ce que tu fais une défense active ou passive? Ah, donc si je fais une défense active, Ton tour en gros. ouais. Bah, tu auras plus d'action après. Tu passes ton tour à faire ça, quoi. Eh bien, je vais faire. Alors, il m'attaque à quoi, tu as dit? Il m'attaque au. Lui, il t'attaque en l'occurrence à l'épée. À l'épée courte. Je pense que. En sachant qu'avec une passive, il a, je crois, c'est deux de difficulté, c'est ça? C'est une difficulté de Exactement. 2, c'est ça. Exactement. Et bah, je pense que. Allez, tant pis, j'ai tellement peur, j'ai pas envie de faire un mauvais choix. On va dire. Quelques points de vie, t'en fais pas, t'es pas encore. Allez, Ouais, sois allez, rock'n'roll. passif, 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 passif. Ok, d'accord. Faut être Du coup, lui, rock'n'roll. il se dirige vers toi, alors j'imagine que toi, t'es en train de ramasser l'arme qui était au sol. Et au Ouais. moment où tu te lèves, tu te prends un violent coup qui te lacère le torse. Et tu sens pareil la blessure assez profonde et le sang commencer à couler. T'as combien d'armure? Armure, je regarde manteau de cuir, armor value 2. Deux. Ouais. Bah, ça annule ses déclencheurs et du coup ça te fait 5 dégâts. C'était une épée courte, ça fait pas. C'est l'arme la moins meurtrière du groupe, mais elle est une des plus maniables, pardon. Puisqu'il a jeté pas moins de 10 dés pour faire son test. Putain. Ouais. T'es Oh. toujours pas en traumatisme, donc malgré tout, la blessure reste mineure. Ouais, tu te fais balayer. Et cette fois-ci, ça va être au tour de Toric. Qu'est-ce que tu fais, Toric? Alors, avant de faire mon action, je voudrais faire quelque chose. Dis-moi. Je voudrais prendre le fusil que j'ai dans le dos. Ouais. Ben, je suis pas trop loin de Jacquard, je crois, même s'il a. Et lui donner, en fait. Lui Ok, donner mon d'accord. fusil. Du coup, Jacquard, tu t'es pris le coup, tu te recules un peu, tu sais, bah, normal, en défendant comme tu peux. Et au moment où tu arrives vraiment presque collé à Toric, tu vois qu'il te met presque dans les mains son fusil.
Okay. Voilà, donc, il est déjà chargé, hein, il y a déjà sa faute dedans. Il n'y a pas de jet pour le rattraper ou quoi? Non, t'es à côté de moi. Cool. C'est pas moi. Si tu veux, Doric, tu peux me faire une autre action, mais tu auras un malus assassin. C'est pas grave. De toute façon, j'ai un bonus avec mon attaque, c'est ça? J'ai compté ça comme un changement d'arme. En termes d'action. Donc ça donne un malus de 2. Ça me donne un malus de 2? Ouais, c'est ça. Mais vu que tu te débarrasses de ton arbre, en tout, ça te fera qu'un malus de 3 à ton test. Donc il te reste encore la maniabilité du dilacérateur, c'est un truc assez imposant. Mais tu t'en sors pas trop mal. Est-ce que tu tapes un type random? Tu continues. Est-ce que tu essaies d'achever celui de tout à l'heure? Ouais, bah tant qu'à faire, hein, on va essayer de s'en débarrasser. Parfait. Donc, alors attends, faire body mêlée, j'avais un ego, ouais. Donc 6 dés. J'aurais du coup 6 dés avec les malus. Ouais. Alors j'ai 4 réussites dont 2 déclencheurs. Ok, 4 réussites dont 2 déclencheurs. C'est très bien ça. Du coup, tu vas faire 6, 2, 6, 7, 8. Ah oui, bah là, tu le finis. Là, tu le plantes et si tu veux, tu peux même renouveler du coup ton bonus puisque tu viens de refaire deux déclencheurs. Ah, donc là, pareil, tu retournes au niveau du premier qui, pareil, lui, te fonce dessus à nouveau et tu le replantes une deuxième fois quasiment au même endroit. Là, quand tu le retires, il s'écroule par terre, il a beaucoup trop mal, il ne peut plus lutter. Il vient de se prendre de double coup. Magnifique. Et tu réactives ton potentiel d'élacération. Oui. T'es de nouveau qui vive, le moindre qui s'approche va se prendre une tatane du coin de l'arme qui va le bouger pour longtemps. À toi, Jacquard, de ton côté, tu m'as dit que tu avais chopé ton fusil, donc tu as chopé le fusil à fongicide. Yes. Tu souhaites l'utiliser ou pas? Oui, j'imagine très clairement. Donc alors, ça va être un fusil à un coup, comment ça se passe? C'est un fusil à deux alors, coups, le fusil deux canons. Alors non, c'est un fusil d'hospitalier dans lequel on intègre des capsules qui sont personnalisées. Donc ça dépend de ce que tu veux mettre dedans. Les hospitaliers achètent, ça peut être du gaz, ça peut être même des tirs un peu explosifs. Là, en l'occurrence, les poudres qu'utilise Thoric depuis le début quasiment de la campagne, ce sont les poussières de feu. Il en reste encore 5, il y en a une de là qui est chargée. Et ça fait très très mal parce que ça transforme le fusil en un véritable lance-flamme. Avec un simple test d'agilité, dextérité. Non, à l'agilité des projectiles, pardon. Ok, et c'est parti. Ouais. Alors, agilité, dextérité. Hein. Plus, alors tu n'as pas de malus de... Ouais. Ah non, c'est agilité projectile, pardon, je disais. Ah, bah, désolé, c'est moi qui dis. Et tu n'oublies pas de mettre tes égos dedans. Ouais. C'est encore mieux, oui, et tu rajoutes tes égos. Parce que je vois. Ah, merde, j'avais mis combien? J'avais mis 2, je crois. Ouais. Ouais, 2. Alors, agilité, j'ai déjà 4, donc plus 2, 6, plus 3, 9. Ok. Oh merde. Bon. Sachant que. Ah oui, non, mais je sais pas comment ça se fait, mais je fais des dés de. Enfin, des jets incroyables, genre. Faut vraiment que je me rachète des dés, quoi. T'as fait combien de déclencheurs? Non, quand je disais des dés, je veux dire en nombre de dés, mais du coup, alors oui. Là, j'ai fait 4 réussites et je relance 3 dés, hop. Ok, 6 réussites, 1 déclencheur. Oui, non, mais désolé, je vais faire mes jets en deux parties. Alors, tu fais pas énormément de déclencheurs, donc les dégâts seront pas énormes. Enfin, sont pas énormes. Pour un lance-flamme. mais 6 réussites, ça c'est très bien, tu vas toucher beaucoup, beaucoup de monde. Je vais faire un test de défense globale pour le groupe. Je vais pas le faire individuellement, ce serait trop lourd, mais pour la plupart d'entre eux, sachant que la plupart du coup vont tourner à la défense passive, c'est pas trop mal. Malgré tout, tu te retournes en direction notamment du type qui t'avait attaqué, qui lui est aux premières loges devant la pointe du fusil à fongicide, qui arrive presque au niveau de son visage. Derrière lui, les gens commencent à s'aligner, notamment que certains commençaient à essayer de fuir le chroniqueur. Et du coup, vous avez commencé à créer la fameuse brèche, mais il y en a tout un côté qui sont du coup paqués
à ton niveau, et tu actionnes les flammes. Et le gars regarde simplement les flammes d'un seul coup prendre, l'asperger complètement, enfin l'asperger, l'enflammer, voilà. Évidemment, les gars derrière aussi commencent à prendre feu, vous entendez le bruit des flammes dans l'air. En plus, la taille de la flamme est colossale, elle atteint vraiment une distance est quasiment énorme. Vous sentez la vague de chaleur passer, suivie de hurlements, pas possible. En plus, en parallèle, comme je vous disais, il y en a à côté qui était en train de se diriger sur le côté, qui sortait. Et vu que le chroniqueur a quand même utilisé plusieurs fois le vocodeur, il se trouve que des fléaux sont en train de rentrer à l'intérieur du truc. Ils sont pas beaucoup, c'était le petit groupe de gardes, armés du coup de masse. Et commencent à frapper dans le tas de leur côté. Ils ont compris qu'il y a quelque chose de louche qui est en train de se passer. D'un côté, on a donc Mokosh, avec son espadon de l'enfer, enfin, dans son espadon infernal, qui découpe des gens en flammes, et il met le feu. Tandis que de l'autre côté, c'est un véritable brasier, et vous entendez des tas de hurlements. En parallèle, les gens se font complètement harceler par des cris incessants de vocodeurs, tandis que tous ceux qui tenteront de s'en prendre aux hospitaliers ou aux chroniqueurs qui se trouvent à côté se font dégager à coups de dilacérateurs. Vous avez en parallèle donc la percée des fléaux, alors qui malheureusement pour eux ont fait de très mauvais tests et vont vite se faire assassiner. Ceux qui tentaient de partir finiront par leur planter des couteaux dans le dos, mais les fléaux sont assez tenaces et continuent de les éliminer. Ceux qui étaient complètement en flammes se dirigent en hurlant et en courant en direction de la sortie de l'autre côté, celle qui menait à la flotte, mais malheureusement pour eux, n'ont pas la clé, et se trouvent à tirer sur la poignée en hurlant comme ils peuvent, et se retrouvent complètement bloqués, et finissent par mourir. Il y en a quelques-uns un peu plus malins qui ont retiré complètement leurs vêtements et se roulent par terre. Malheureusement, je ne pouvais pas vous faire un dessin et on va pouvoir arrêter les musiques de combat ici. On n'a pas fait le combat en entier, entre guillemets, parce que là, on en est au stade où il n'y en a plus vraiment besoin. Le reste, on peut le faire en cinématique parce qu'il est assez prévisible. Vous avez réussi à détruire le groupe. Ils ne sont pas tous morts, mais ils sont tous très mal et aucun n'a envie de foncer face à un type qui vient de cramer 6 types devant ses yeux. Surtout qu'ils ont été payés pour ça, donc ils n'ont pas spécialement de trucs contre vous à la base. J'aimerais seulement savoir, est-ce que vous avez l'intention de tenter de les laisser s'enfuir ou de les massacrer? Puisque là, ils essaient de se casser. Et non, la seule personne qu'on chope, c'est... Ouais, c'est ça, c'est Hilar, pardon, j'avais pas compris la phrase. Oui, mais effectivement, du coup, choper Hilar. Okay. C'est le seul truc qui nous intéresse. Dans ce cas-là, vous demandez à tous un jet soit d'agilité mobilité soit de body athlétisme que vous allez opposer au sien. Hilar lui vite comprend que la scène commence à tourner à son désavantage. Il commence pour commencer par se diriger en direction de la sortie principale. Malheureusement, vous avez cette espèce de bouchon qui est en train de se créer parce que les gens se précipitent, se poussent les uns les autres, c'est des apocalyptiques, ils en ont rien à foutre de laisser passer les femmes et les enfants avant. Et de l'autre côté, se font tirer dessus par sans doute un groupe de fléaux qui se trouvent postés à l'extérieur. Les balles fusent et les gens s'écroulent au sol. Hilar se dirige dans la direction inverse. Dans ce cas-là, lui tente de se sortir par la sortie principale, mais se fait barrer la route par Flux, qui le balaye de son vocodeur. Imaginez ce que vous avez vu, ce que le vocodeur peut faire à une personne complètement bloquée au loin, enfin par un groupe de personnes au loin. Cette fois-ci, le vocodeur est activé face à lui, quasiment à seulement quelques mètres à peine, et complètement redirigé dans cette direction. Il n'a même pas le temps de dire un espèce de merde que le vocodeur s'active, et Flux s'illumine, et d'un seul coup, la zone est balayée. Hilar est carrément propulsé sur le côté et l'onde de choc est trop forte et sans doute que ses tympans explosent et finit au sol contre le mur dans une mare de sang. Tu vois en plus Flux qui s'est pris une des balles des fléaux.
J'imagine que de votre côté, vous vous écartez de l'entrée des puits de balle. Vous savez que, a priori, la sortie de secours, enfin, pas ça, secours, mais la sortie vers les quais est votre seule chance. Oui. Je peux pas essayer rapidos de récupérer de l'oseille Il n'y a pas des soins à récupérer. Regarde rapidement, et après, tu vois le membre du groupe qui semble être la corneille. Tandis que tu cours, tu t'arrêtes rapidement sur lui et tu vois un revolver ainsi que une espèce de grosse bourse de dinars. Et un parchemin roulé. Tu prends tout ? Ouais, je prends tout. Ok, très bien. Vous vous dirigez au niveau de la porte de sortie. Pour rappel, vous aviez les clés. Donc vous pouvez les ouvrir sans bien mal. Tandis que de ton côté, donnez-moi votre ordre de marche. Bah moi j'ai pris le truc, donc peut-être que je suis un peu vers la fin. Genre si les autres se dirigent vers la sortie, que moi au passage je chope, je m'arrête pour choper des trucs, peut-être que je suis à la fin. Je pense que je suis avant-dernier moi. Avant-dernier avant premier. Enfin, oui d'accord. Après, Ok. Est-ce que quelqu'un ramasse d'autres trucs que vous pourriez trouver. Je choper de l'huile, hein. Une petite caisse, Simon. Tu récupères ce que tu peux en huile de Marduk, tu les récupères, t'as pas trop le temps, mais tu chopes un sac en cuir vite fait au sol et tu les mets dedans. Vous commencez à... tu rejoins les autres. Mokosh, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Moi, je pense que je suis les autres, simplement parce que je me demande... Enfin, j'ai bien l'impression que vu tout le bordel qu'on a fait, on risque d'avoir encore quelques problèmes, ne serait-ce qu'avec la loi. Ok, vous vous dérogez au niveau de la porte, vous l'ouvrez, et à peu près au moment où vous ouvrez cette porte, au niveau des quais, vous avez derrière les fléaux qui rentrent à l'intérieur de l'entrepôt. Cet entrepôt, pour rappel, c'est pas un des entrepôts très bien gardés comme ceux d'avant, celui-ci à l'avant donne directement sur les quais. Puisque celui-là, vous n'aviez pas eu besoin de crapahuter, d'escalader un mur, c'était l'entrepôt de votre ami Hilar. Du coup, tandis que les fléaux se dirigent et vous pointent et vous à quelques silhouettes au loin s'enfuir, d'ailleurs avec vous, vous avez quelques apocalyptiques qui ont compris un peu la combine pour s'enfuir, vous avez la pluie de balles qui commence à fuser, vous voyez deux trois corps s'étaler au sol, les autres étaient derrière vous, donc c'est eux qui prennent massivement. Mokosh, tu te fais également tirer dessus, je te demande même pas de test, et tu perds 2 points de vie. Qui ça? Mokosh. Ouais. La balle semble quasiment ricocher sur toi. Comme si ton corps s'était durci au point où... bon, après, c'est dans ta tête, tu sais pas trop si c'est vraiment le cas ou pas. T'as quand même un peu mal, tu commences à avoir un peu mal. Vous commencez à courir au niveau des quais. Là, vous vous trouvez donc au niveau de ces fameux quais. Vous avez lâcheté. Vous avez certains hommes à moitié brûlés qui se jettent directement dans l'eau. Est-ce que vous longez les quais ou est-ce que vous vous jetez à la flotte aussi? Ouais. Moi, je jette à l'eau. Hein. Je sens pitié. Allez, je pousse. Non. Bon, franchement, je longe les quais. Ça me semble plus sûr là tout de suite. Ok. Bon. Dans le cas. Oui. Moi, en voyant qu'il y en a deux qui sont à l'eau. Allô? Ah. Ok. Pas de soucis. Allô? Tu nous entends? Ouais, du coup, qui fait quoi? Moi, je me jette à l'eau. Moi, je me jette à l'eau, direct. Je ne peux pas comprendre. Dans tous les cas, nous allons faire une petite ellipse et nous retrouver une petite heure plus tard à la sacristie rouge. La plupart d'entre vous ont quand même été blessés. Et lorsque vous rentrez, vous voyez la petite vous regarder d'un air très interrogateur, même presque paniqué, et elle est réveillée, Dali et l'orgastique Gérard, pour s'occuper de vous. Heureusement, les blessures ne semblent pas être très très graves, en tout cas personne n'a été blessé profondément, c'est surtout donc des blessures à recoudre, et vous pouvez enfin vous poser sur ce qui vient de se passer. En discuter entre vous, est-ce que vous voulez... Voilà, je vous laisse échanger entre vous, dire ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que...
Bon, déjà, on a récupéré 2-3 trucs. Enfin, je sais pas ce qu'on a récupéré parce que j'ai balancé dans un coin ce que j'ai récupéré. J'ai même pas eu le temps de regarder ce que c'était. Mais ce qu'on avait imaginé de façon hypothétique sur un futur financement, malheureusement, ça tombe un peu à l'eau. Alors, pas totalement, puisque pour un peu de j'ai encore mon contrat, puis on a de l'argent. Hein. On a, mais attendez, mais on l'a pas, Hilar. Ah non, il est mort. Mais non. Ah si, il est mort. Oui, du principe que Flux n'a pas juste regardé au sol. Et que... C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais si, il était blessé. Il a éclaté contre un mur, il a explosé. Je pensais qu'on l'avait pris. Non, mais j'ai lagué. On est fait des avec nous. En tout cas, moi, ce truc que je dis, parce que en soi, c'était prévisible qu'il nous trahissait, donc qu'il allait nous trahir un jour ou l'autre. Donc, je suis même soulagé qu'il fasse maintenant et qu'on est tranquille pour la suite, que de devoir continuer dans une ambiance paranoïaque sur toute la suite de notre séjour en ville. Donc, je m'en fiche un peu. Je suis juste, voilà, je m'excuse juste à Mokosh parce que je sais que elle m'avait parlé de faire des plans avec lui. Bon. Ça, par contre, voilà, des hommes au coche. On l'aurait maintenu un peu en vie. Et mais... t'avais un contrat ? Attends, Flux. Oui, il avait fait un contrat papier que j'avais sur moi au moment où ils nous ont attaqué, donc il n'y a pas de preuve. Est-ce que, par le plus grand des hasards, il n'y aurait pas du coup sa signature sur son contrat ? Il ne l'a pas signé, parce qu'il a fait rentrer le groupe en disant j'aurais aimé signer ce contrat. Il l'a pas Par fait. Par contre, je suis presque sûr qu'un faussaire, ça existe. Je suis presque sûr. En tout cas... Donc, il y a des plans pour le futur. Mais j'ai un contrat. Après, il faut voir ce que ça vaut. Parce qu'un contrat avec un mort, ça mène peut-être pas grand-chose. C'est pas le plus important. J'en connais un très bien. À partir du moment où tu as la... À ce moment-là, vous avez la petite qui prend la parole. Si vous voulez un faussaire, je peux vous en recommander. Hein. Bah, avec plaisir. Très bien. Moi, j'ouvre, j'ouvre la pochette de cuir là, que j'ai récupérée, voir ce qu'il y a dedans. Ok. Alors, pour commencer, donc, tu as récupéré sur leur chef un revolver. Donc, si tu veux, je vais pouvoir te donner les stats. Ça, moi, donc, je suis une armurerie vivante, moi. Je suis... Ouais. À chaque fois, je regarde. Tu veux bien me donner un truc, histoire que... Parce que, bon, le marteau, ce serait sympa, parce que, bon, le marteau, je peux pas me le travailler partout, alors que... Bah, je tends le revolver à... Ok. À Jacquia. Merci. Parce que mon fusil à fongicide, c'est mon fusil à fongicide. Oui. Je te le rends. Sache que globalement, une balle de revolver, ça fait 10 points de dommage en temps normal. Voilà, en temps normal. Un revolver, ça fait 10 points de dommage. Des dégâts. Okay. Oui, c'est assez c'est violent, une balle. Du coup, tu obtiens donc ce revolver. Tu obtiens également une bourse de dinars dans laquelle tu trouves la coquette somme de 2500 dinars. Qui est visiblement la somme que vous valiez, en tout cas que valaient vos têtes, puisque tu imagines que c'est ce qu'a donné Hilar au chef de la nuée. Ouais. Ainsi que sur le parchemin, une étrange commande de sel à destination d'une salière dans les terres putains. T'as une adresse qui est donnée, qui est pas très loin du cirque, où vous êtes déjà allé. Mmh. Et ça dit juste simplement livraison de sel prévue à tel endroit. T'as un petit plan qui a été dessiné telle heure et une importante somme d'argent. Ok. J'en parle à mes camarades, effectivement. S'il y a une importante somme d'argent, ça peut être intéressant. C'est ce soir ? Enfin, c'est dans notre journée ? Il n'y a pas écrit, non. Non.
J'imagine qu'ils sont pas très très pressés. C'est une livraison. Bon, ça arrive quand ça arrive, quoi. Ok. Après, moi, pendant qu'on discute, je vais quand même regarder un peu les blessures de mon coche, comme je fais à chaque fois, pour voir si je peux pas nettoyer un petit peu, C'est pas la un seule, hein. pistolet. C'est pas la Étonnamment bien. seule, hein. En effet, tu vois qu'elle a l'air d'aller étonnamment bien. Tu peux me faire, si tu veux, quand même un petit test de médecine. Sinon, il y a moi aussi, hein. J'ai un peu une Oui, non, grosse mais sur la mémoire. je viendrai te voir après, Jacques, t'inquiète pas. Je m'occupe de tout D'accord, le je monde. vois, j'ai Mais beaucoup de références. par habitude, je commence toujours par mon coche parce que je sais toujours qu'elle se blesse pendant les combats. Quatre succès. Ok, comme un déclencheur? Pas de déclencheur. Ok, dans ce cas-là, tu vas la soigner de 1. Super. Quatre succès pour faire un truc. Mais elle va se soigner naturellement et tu pourras retester d'ici quelques jours. Ok. Bah du coup je vais aller voir Jacquard dans la foulée. Donc je vais Très faire pareil. bien. Ok, bah je vais se refaire le test. Vérifier. Alors trois succès dont un déclencheur. Cette fois-ci. Très bien. Trois succès dans un déclencheur. Je vais faire juste un truc que j'espère de bêtises sur le. Ouais, c'est bien ça. Donc, combien de déclencheurs pour Jacquard? Un seul. Un seul, donc dans ce cas-là, lui, ça le soigne de 2. Ok. Donc, ouais, pareil, tu lui attribues les premiers soins, tu sors ta trousse et tu fais ce que tu peux. Tu lui Ouais. retires un peu ses vêtements, tu regardes sous son t-shirt où est-ce qu'il a été blessé et tu raccommodes comme tu peux. Rien de grave, pareil, à voir. D'accord. Bon, je sais que Flux a été blessé, mais c'est toujours plus compliqué à le soigner avec toute sa combinaison là. Il est Ça toujours un peu sera. réticent à ce que je sculpte. Tout ce que tu vois, c'est un liquide verdâtre sortir de mon corps, donc t'inquiète pas, ça sera. C'est vrai que c'est notamment, encore une fois, intéressant de le rappeler. Efflux, une fois blessé, saigne, mais pas rouge. Oui, mais je sais que c'est toujours compliqué parce que pour le Va arriver. soigner, il est toujours réticent à ce que je m'approche de lui, C'est que vrai. je touche. Son armure, sa combinaison. Donc, du coup, je m'occupe pas trop de lui. À part si t'es vraiment en danger de mort, ce qui n'est pas le cas. Oui, voilà, mais sinon je connais les gestes de premier soin, donc juste pour un petit couteau de lancer, t'en fais pas, je gère. Mais c'est Mais, gentil non, de mais de toute penser à façon, moi. je sais que tu m'aurais pas laissé Je le précise t'approcher. également, comme ça vous le saurez, la... vous serez guéri d'une blessure superficielle par jour, ce qui fait que vous allez assez vite reprendre, tandis que les blessures, les traumatismes, eux, mettent 10 jours à être rétablis. Évidemment, les soins peuvent améliorer ça. Et du coup, c'est la nuit de sommeil, ça nous rajoute combien d'ego? La nuit de sommeil? En fait, c'est plutôt une nuit de sommeil dans des bonnes conditions. Pour l'instant, vous n'avez pas vraiment une vie très agréable. Vous n'avez pas mangé de manière incroyable non plus. Vous avez toujours été un petit peu sur le tendu au niveau de l'argent. Donc, mais là, Et du moi, coup, ça devrait. à l'hôpital, ça va? Enfin, Il y a au trop de temps, plus mais ça va. ça va. Tu vas prendre un peu plus facilement. Ok. Mais je vous en avais déjà rendu un petit peu un moment. Je crois que vous aviez acheté des poissons au marché, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai les rations. Ce qui était mieux que la bouillie qu'on vous prépare à la sacristie. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose d'autre? Je précise d'ailleurs que tandis que tu soignes les autres, tu es assisté par la petite de ton côté. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, je dis à Efflux, bon, ben, on se part pas les mains vides. Et du coup, je lui montre les 2500 dinars qui sont là. Plus la Ouais, mention ça sur chiche. une possible transaction avec beaucoup d'argent à venir du côté D'une des secte. apocalyptiques.
C'est pas 2100? J'ai mal entendu. 2500. 2500. C'est 2500. Donc potentiellement déjà une possibilité de... Ouais, potentiellement après, il faut... D'acheter faut qu'on se renseigne sur combien ça peut coûter. Il n'y a pas que le local, il faut acheter les marchandises à revendre, etc. Mais... Bah, le local, je crois que c'est 2500. Ah, peut-être. C'est possible, et j'avoue que j'ai même pas regardé le prix du local, j'ai pas fait exprès. Mais je crois que de souvenir, c'était 2500 pour... C'est une bonne chose d'avoir de côté, on verra comment on l'utilise. De toute façon, c'est juste que là, on se repose un peu, on va souffler la nuit, et on réfléchira à ça demain matin. Mais ok, c'est intéressant à noter, en tout cas, Tori, et ça, je m'engoule. Moi, je vérifie du coup si j'ai assez d'huile, hypothétiquement, pour... expédition ou s'il va falloir que j'essaye de m'en procurer autrement. Ok. Tu regardes à la quantité que tu as. Donc, on a dit que tu avais mis 2-3 trucs dans un sac. Ouais. En effet, alors si tu compares à peu près à ce que par exemple consommerait Mokosh en 1000, que tu dois avoir à peu près de quoi recouvrir une dizaine de personnes. Ce qui est sans doute suffisant. Ouais, du coup, ouais, okay. Très parfait. Du coup, vous allez vous coucher, ton côté Toric, tu retournes à l'hôpital de l'orage. Au moment où tu longeras les quais, tu verras loin que le feu qui s'en était emparé s'est éteint. Et également, de nombreux groupes de fléaux enquêtés et retournés un peu toutes les maisons autour. T'as pris le soin, j'imagine, de recouvrir tes blessures et... presque étonnamment, lorsque toi tu les croises, alors que tu pourrais t'attendre à être suspecté, on te salue avec un certain respect, tandis que tu retournes au niveau de l'orage où certains de tes collègues sont encore debout en train de s'occuper de fléaux blessés récemment. Bah, parce que moi je crois que j'ai pas été touché du tout pendant le combat. Ah bah c'est encore plus possible, excuse-moi, j'ai pas vérifié, j'avoue. Bah oui, en fait, ils m'ont attaqué deux fois, ils ont fait des jets de galas. Ouais, bah alors du coup, oui, donc t'as rien caché du tout. Ouais, j'ai même pas fait gaffe, toi, t'as pas été touché du tout. Non, non. Donc, oui, alors là, t'es encore plus tranquille. C'est genre, vous voulez un coup de main avec les fléaux? Je peux aider? Ouais, bah écoute, tu t'aideras peut-être même tes collègues qui sont présents à l'extérieur et qui s'occupent des blessés. Mm-hmm. Certains se sont brûlés à cause de l'incendie et d'autres ont été blessés par une querelle qui a eu lieu, un règlement de compte entre des apocalyptiques au niveau des entrepôts, te dit-on. Bon, eh ben, tu feras l'innocent et sera remercié. Ça me va. Je vais directement passer au lendemain et je vais tous, vous pouvez tous vous rajouter plus un d'ego et plus un de points de vie. Donc les points de vie, je vais les régler maintenant. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter plus un d'ego dans les channels de vos personnages, comme ça je vais mettre à jour. C'est vrai qu'il y en a eu, il y a eu beaucoup de modifications ce soir. Vous me direz si c'est assez pratique à suivre ou pas ce système, ou si c'est trop compliqué. C'est vrai que pour moi, c'est plus rapide que de tout actualiser à chaque fois quand il y a beaucoup de changements. Ah, très bien. Du coup, les 2500 dinars, pour l'instant, je les garde avec moi. Ouais. Ouais. Comme vous voulez. Ouais, bah je peux. Enfin, je les dépense pas, quoi. Ils sont avec moi en attendant. Tu travailles 2500 dinars. Enfin, j'ai toute confiance en toi, mais si jamais on s'en vient à. Je vais pas avoir un problème. Ce serait peut-être bien qu'il soit dans une partie, au moins dans un lieu sûr. Dans l'hôpital, c'est sûr, non? Enfin, je sais pas, l'hospitalier, c'est pas une personne qui viendra chercher 2500 dinars dans un hôpital d'hospitalier, non? Je sais pas, hein, je dis ça. Je sais pas, est-ce que les néolinéens se permettraient pas de faire une perquise en mode. Enfin, je sais pas. Bah, après, si tu penses que c'est safe, De ce que j'ai compris... Des diplomatiques ou je sais pas quoi, ouais. De ce que j'ai compris, les hospitaliers sont pas trop embêtés par les néo-libyens. Enfin, je sais pas. Non, Charlie Dans tous les cas, ça semble être un de nos... la meilleure option qu'on a, de toute manière, même en prenant en compte les risques. Parce que le fait de mettre les 2500 dinars à l'hôpital, c'est un endroit sûr quand même. C'est pas... Oui, puisque alors soit tu les mets au niveau de ton lit de camp, t'as un petit casier, dans ce cas-là, n'importe qui peut le forcer, mais c'est à toi. Ou alors, simplement, tu les déposes auprès de la réserve, et dans ce cas-là, on les met dans un coffre. Bah écoute, je vais les mettre là. Et donc là, c'est gardé 24 heures quasiment sur 24, donc oui, là, c'est plutôt sécurisé.
Ouais, bah, je vais mettre au coffre. Je vais mettre au coffre, c'est sûr. Y a pas de... Tu arrives au niveau du pharmacien Gossen, tu vois que lui, il est sur le point de se coucher, il est sur le point de boucler tout. Bah, je lui donne la bourse en cuir, en fait. Ouais. Je genre pas les dinars comme ça, en fait. Oh. Je donne ma bourse en cuir. Je suis... Est-ce que tu peux mettre ça pour moi, s'il te plaît? Parce que je vois la vie à Toulon, vous réussit. Bah, écoutez, je prodigue mes talents. Peu, tu sais, pour changer je vous mets ça. Ouais, merci, c'est gentil. Tu vois qu'il passe légèrement sa main sur son crâne chauve, comme s'il se demandait d'où ça pouvait provenir, mais il y a quand même pas plus d'attention que ça, et puis son esprit semble vagabonder ailleurs, tandis qu'il se dirige au niveau de la réserve. J'imagine que tu le suivras quand même pour t'assurer que ce soit bien et voilà, est recommandé, et c'est d'aller dans le cas. Nous allons d'ailleurs pouvoir reprendre le lendemain matin. Je vais passer toute la routine habituelle pour directement faire le moment de rendez-vous au niveau de la sacristie. Toric, aujourd'hui, tu pourras te rajouter, si tu veux, 10 dinars que tu te seras fait. On fera les tests un petit peu plus tard. D'accord. On en refera une autre fois, là, je me permets de passer pour... Et hop là, on passe à moins de 18 jours avant la fin d'année. Vous vous retrouvez à la sacristie, cette fois-ci de tout repos. Mokosh, le matin même, toi, tu te sens pas très bien. Et à un moment, alors que tu te dirigeras peut-être en direction du jardin pour souffler un peu et sentir l'air marin passer sur ton visage, tu te mets d'un seul coup à vomir du sang par terre et sens que le contre-coup de l'huile élyséenne semble se faire sentir. Tu vas donc perdre 4 points de traumatisme. Tu te sens pas très très bien, clairement là t'es complètement retourné. Malgré tout, sans ça, tu te serais pris une balle, un couteau et un harpon de plein fouet, donc c'était sans doute préférable. Mais tu te rappelleras que ouais, ça fait vraiment pas du bien que de t'asperger d'une huile aussi puissante. Peut-être, si tu le souhaites, que tu pourrais la demander à la diluer ou à la mélanger avec autre chose. En tout cas, la pure comme ça, ça fait mal. Tandis que d'ailleurs tu retournes au niveau de la sacristie et que tu vois donc tout le monde réuni en train de discuter, tu vois que la petite, elle, est en train de discuter avec Lito, qui lui raconte les légendes et les histoires anabaptistes, donc tout ce qui tourne autour de la néognose et du démiurge. Puis elle viendra te voir et te fera « C'est bon, j'ai choisi mon prénom. J'ai pas mal étudié avec l'autre fureur vos histoires et j'ai essayé de trouver quelque chose qui correspondait parfaitement à ma personnalité naissante et à mon destin. J'ai choisi le prénom de Lilith. Très bien. Bien, content pour toi alors, Lilith. Et je serai fureur, moi aussi. Seulement ? Dans un premier temps. C'est mieux. Et puis à ce moment-là, elle repart en arrière. D'ailleurs, Flux, c'est un moment où tu te dirigeras toi aussi vers la porte de la sacristie. Tu apercevras à l'extérieur l'arrivée assez tôt de deux personnes. La première étant Dobby, le ferrailleur avec qui tu avais eu affaire la dernière fois, qui est encore une fois avec ses deux clopes au bec, tandis qu'il se balade à Port-la-Gagne, et il est accompagné d'une petite fille qui doit avoir peut-être la dizaine d'années, peut-être un petit peu plus. Clairement pareil, elle a l'allure de ferrailleuse, elle a les cheveux roux assez bouclés.
Quelques taches de rousseur, mais sinon le visage pas mal rempli de, enfin pas mal recouvert de suie. Et à la main, une espèce de grosse clé à molette, on dirait presque qu'elle la tient comme une arme. Ainsi que une, ça fera encore un estropié dans le groupe, une jambe en moins qui a été remplacée par une espèce de chausse-pied en métal très fin et un gros ressort et qui lui sert de jambe. Donc il lui manque une partie de la jambe, hein. C'est pas toute la jambe comme Jacquard. Dobby ne prend même pas la peine de se présenter ou de dire bonjour lorsqu'il rentre. Tout simplement, chose promise, chose due. Je vous présente Renard. Eh bien, c'est très aimable. J'ai rempli ma part du contrat. Est-ce que vous avez rempli la vôtre? Eh bien, tout à fait. On a pile ce qu'il vous faut. Quand je dis ça, je me dirige vers les huiles et je lui montre le stock qu'on a. Il regarde et ce sera suffisant. On peut partir dès demain matin, si vous voulez. Je vais y réfléchir par rapport à mes amis qu'il faut qu'ils soient, qui ont malheureusement des obligations. Je vous tiens au courant d'ici le début d'après-midi sur la date de départ. Pas de souci. Il se dirige également au niveau du petit déjeuner et se permet de plonger ses gros doigts dans ce qui a été mis à disposition et de l'amener jusqu'à sa bouche. Bon, eh bien, je dois vous laisser. J'ai affaire à Port-la-Gagne. Eh bien, pas de souci. À la revoyure. Et il repart en ramassant deux trois bouts de ferraille qui traînaient sur les côtés. Il les met dans ses poches comme quelqu'un qui ramasserait une pièce au sol. Et devant toi, tu as donc également une petite fille. Donc ce n'est pas Lilith, cette fois-ci, c'est Renard. De quoi avez-vous besoin? On te parle d'un ton très professionnel, des phrases très rapides. Dis-moi, quelles sont tes compétences à l'heure actuelle? Je suis assez débrouillarde. J'ai des compétences dans à peu près tout ce que c'est faire inférieur. Et tes défauts? J'aime pas travailler avec trop de monde à la fois. Tu le définis comment trop de monde? Ce groupe-là, 4 personnes. Tant que tout le monde me parle pas à la fois et me demande pas de courir à droite à gauche, ça devrait le faire. Non, tu répondras que à ce que je te demande. Parfait, une personne pour me donner des ordres, une autre pour m'aider quand j'ai des trucs à demander, ça me suffit parfaitement. Je peux également tout faire toute seule si jamais vous en avez besoin. Et tu sais combien tu es payé pour rester avec moi? J'ai vu ça avec Dobby. J'ai le droit à un repas chaud tous les jours, un endroit où dormir. Et il a promis de m'envoyer sur de futurs projets qui m'intéresse particulièrement. C'est bien, c'est bien. Bon, bah, si tout est clair entre nous, on va pouvoir commencer d'ici peu. Là, actuellement, nous allons finir de se reposer. On se repart d'une nuit un peu compliquée, mais je pense qu'on aura quelque chose à faire dès le début de l'après-midi, tous les deux. Très bien, je vais aller inspecter les environs de la sacristie et je vous dirai ce qu'il y a à faire. On était déjà passé de toute façon. Et puis là, elle se dirige vers l'extérieur. Comme je dis, une allure très professionnelle, elle est très droite, sans pas trop accorder attention aux autres, et va examiner assez minutieusement le pourtour. Donc tu sais, connaissant les ferrailleurs, tu sais qu'en effet, ça fait partie des jeunes recrues qui sont très très débrouillards parce qu'ils sont très peu amenés à devoir justement prendre des initiatives chez les ferrailleurs et survivre quasiment seuls. Que faites-vous? Bah, juste avant que, bah, du coup, parce que voilà, maintenant on a une idée de ce que va faire notre ami Thoric. Voilà, juste, moi je veux juste poser la question, après je vous laisse tranquille parce que j'ai que ça à faire. C'est par rapport à l'organisation de l'expédition. Je veux savoir comment vous vous sentez, parce qu'on vient de passer quand même une nuit un peu compliquée. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on parte dès demain matin ou est-ce qu'on se laisse une journée de plus pour souffler et reprendre un peu sur nous?
Moi, ça va. Vu que je suis pas blessé, rien du tout. J'ai pas physiquement, je suis OP. Maintenant, c'est plus les autres qui vont devoir parler, notamment une personne qui n'est pas présente. Oh, on aura la réponse après. Je prends mon coche et après on dira que cette conversation se passera dans la suite. On va faire un saut dans le temps, je pense. Bien, moi, je t'avoue que il semblerait que j'ai quelques problèmes vis-à-vis de ce que j'ai utilisé durant le combat, mon huile. Et je préférerais attendre un peu plus avant d'avoir à peut-être le réutiliser ou quoi que ce soit. Ok. Bon, Peine de moi. je vais poser la question à Jacquard qui s'est un peu éloigné de notre groupe pendant qu'on discutait avec les enfants. Je vais aller le voir, prendre son avis, mais je prends en compte ce que tu viens de me dire, Wakash. Ouais, je suis un peu. Ouais. On va se reposer. Ouais, moi aussi, je pense que ça serait bénéfique. Je pense qu'on partira d'ici 2 voire 3 jours maximum, histoire qu'on se pose un peu. Ok, bah. Parle pas trop fort, s'il te plaît. C'est une bonne idée, en fait. Du coup, de mon côté, je me dirige vers Lilith. Hein, j'écoute, comment ça Bien. va? Ouais. Bon, j'ai un petit œil vite fait encore sur mon dilacérateur, enfin le mollusque, voir vite fait si je rentre en mode En effet, il bougeotte. semble pas bouger, ouais. Tu aurais bon, un petit peu de temps à m'accorder, s'il te plaît? Pas beaucoup. Oh, ça sera suffisant. Nous avons eu une petite discussion hier, je crois, où tu m'as parlé de cette fameuse voyante que tout le monde connaît. Ben, il semblerait que personne ne la connaisse et que je me suis baladé un peu dans toute la ville et même le guide que tout le monde connaît, lui, me dit qu'il n'a jamais entendu parler de cette femme. Donc, ce serait bien. Enfin, tu as l'air de faire confiance à Mokosh. Tu as l'air de me connaître également. Sache que tu peux me faire confiance. Hein, si Mokosh me fait confiance, si elle est capable de confier, de mettre sa vie entre mes mains, je pense que tu peux le faire également. Donc, sois franche, dis-moi les choses. Si c'est le côté hospitalier qui te fait peur, de par les bourgeons, la brûlure et tout cela, sache que, contrairement au reste de mes camarades, j'ai une tolérance un peu plus élevée par rapport à ça, et d'autant plus que tu es jeune, et je ne vais pas te réprimander. Tu auras peut-être un sermon, hein. Il y en a une que je sermonnais assez souvent, elle n'est plus là, hélas. Voilà, si j'avais dû la réprimander, je pense que nous n'aurions jamais vécu tout ça ensemble. Donc, n'hésite pas, enfin. Si tu as des choses à dire, même si ça a des rapports avec les bourgeons et tout ça, n'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal ou. À ce moment-là, tu vois qu'elle baisse un peu la tête comme un enfant qui aurait vraiment fait une bêtise. Et puis, à la fin de ton petit dialogue, finit par presque honteux, c'est presque la première fois que tu la vois se remettre en question, sortir de sa poche un sachet contenant plusieurs bourgeons de brûlure et une petite aiguille. Et à un moment, elle te l'étend, te dire de toute façon, tous les orgastiques en prennent. Ah, hélas, je ne vais pas te contredire là-dessus. Mokosh aujourd'hui a fait un énorme travail là-dessus. Elle n'en prend plus aujourd'hui.
Abby, par contre, cette amie qui nous avait accompagnés pendant tant de temps, était plutôt coutumière du fait et en abusait presque ouvertement devant moi. Alors, j'ai souvent dû râler quelque peu, mais bon. Est-ce que tu souhaites te débarrasser de cela? Et c'est ce que je te conseillerais maintenant, ou tu veux le garder? Non, je vais aller les jeter. Tu fais bien. Du coup, cette fameuse vieille, enfin cette voyante, elle n'a jamais existé. Non, c'était ça ma voyante. Ok, donc tu as utilisé les bourgeons. C'est peut-être un peu déplacé de dire ça, mais vous devriez tester les bourgeons d'Ibrispani, ils sont fabuleux. Ils valent vraiment pas les bourgeons de Franca ou de Purgari. Ils vous racontent des choses sur vous, votre entourage, des choses que vous n'avez pas vécues ou que vous allez vivre plus tard. Ils sont vraiment perturbants. Écoute, je passe mon tour. J'ai une tolérance par rapport à ça, mais de là à les utiliser, ce n'est pas possible. Sache que malgré tous les bienfaits que tu penses qu'ils t'apportent, les bourgeons te détruisent de l'intérieur et amènent des modifications dans ton corps qui peuvent être terribles. D'ailleurs, tu as probablement dû entendre parler de ces créatures, de ces mutations qui existent dans notre monde. Ils découlent du bourgeon. Vous voulez dire ça? Et à ce moment-là, tu vois qu'elle retrousse sa manche et sur son bras, tu distingues un stigmate, une espèce de mandala tracé à même dans sa peau. Du coup, je regarde un peu plus près. Il n'est pas complètement fini, mais bien entamé. Oh. Ah, du coup, ça me perturbe un petit peu. Oui, tu sais que c'est quand même un stade assez avancé de sporulation qui entraîne l'apparition de mandala. C'est sans doute pour ça que ton mollusque réagissait autant. Ok. Je te conseille vivement d'arrêter. Tu risques clairement d'avoir des problèmes par rapport à ta santé. Et si tu tombes sur un autre hospitalier que moi... Je ne réponds de rien. Sache que tu peux voir ici, là, je lui montre mon dilacérateur, ce mollusque, là, cette petite chose qui bouge, m'indique que il y a ici quelque chose qui réagit au bourgeon et au spore. Je me doutais que c'était toi, mais si un autre hospitalier tombe sur toi, il peut clairement t'emmener avec lui et malheureusement s'en prendre à toi physiquement. Elle hoche la tête, c'est d'accord. Voilà. Écoute, je t'embêterai plus avec ça. Mais bon, sache que si tu as besoin de parler, si tu as besoin de conseils par rapport à ça, je suis là. Et du coup, je m'en vais. À ce moment-là, en effet, elle s'en va en remettant sa manche. De toute façon, les autres, je sais pas, faites quelque chose, les autres. Puis ouais, au fur et à mesure qu'elle s'en va, de temps en temps, tu l'entends et parler un peu toute seule. Dire, c'est comme si elle essayait de s'auto-rassurer par rapport au bourgeon. Mm-hmm. De toute façon, j'ai connu des gens qui en prenaient beaucoup plus. Ils sont encore là. Et puis, la brûlure a plus rien à me montrer maintenant. Des trucs comme ça. Comme sa mère. Eh bien... moi, je pense que je vais aller faire, je pense, un petit tour chez les commerçants ou un truc comme ça. Pour avoir une petite idée des prix, des outils d'agriculture et tout ça dont pourrait avoir besoin d'Ali, l'asset, vu qu'on a brûlé un peu tout ce qui
son ancien matériel. Enfin, Lito a volé son ancien matériel. Et il faudrait qu'elle recommence à faire pousser des trucs. En effet, tu vois que pour environ 20 dinars, tu peux acheter une houe, une pelle ou un râteau. Tu peux en acheter d'un peu plus petit pour un peu moins cher. Après, il n'a pas tout brûlé non plus, il en reste un petit peu. Il reste des balais, des trucs comme ça aussi. Alors, si tu vas avec Dali, tandis que vous allez vous balader et qu'elle te dira ce dont elle a besoin, vous arriverez à une somme totale pour quelque chose de plutôt basique qui tourne aux alentours des 60 dinars. Okay. Si jamais, elle te dit aussi que si jamais tu as plus de budget et que tu acceptes de monter l'investissement à 125 dinars, elle pourra avoir un truc vraiment bien avec des clôtures pour éloigner les rongeurs, un épouvantail pour éloigner les oiseaux et de quoi monter un pont. Déjà un peu. Je finance tout. Il va falloir que j'aille faire tout, enfin que j'aille faire échanger la monnaie, mais je finance. Pour l'instant, on va te mettre un moins 125 dinars et on s'arrangera lors d'une petite ellipse pour aller faire l'échange avec. Ce serait un peu trop galère, sinon. Ok. Bah, du coup, elle te remercie énormément. Vous allez voir, avec ça, on va pouvoir faire quelque chose de bien... De vraiment impressionnant. J'ai déjà quelques idées des choses que l'on pourrait faire pousser, que l'on pourrait distribuer. Le genre de truc que seuls les anabaptistes savent faire à la perfection. Perfection. Je te fais confiance pour ça. Je vous remercie, Führer. Et à ce moment-là, elle l'attaque directement lorsque vous rentrez au niveau de la sacristie, le jardin, donc elle place à l'arrière. Les autres, que faites-vous? Moi, j'ai posé la question à Jacquard, tout simplement, si tu as besoin de mes services aujourd'hui ou. Je demande juste pour savoir comment je m'organise, si tu as besoin de moi ou pas. On peut. Non, je vais faire mes trucs de mon côté, t'inquiète pas. Très bien. Toric, étant donné que du coup je ne suis pas réquisitionné et que l'expédition va être programmée, est-ce que ça t'intéresse qu'on aille au hospital hein, et que je m'occupe du coup des réparations que je dois faire hein. Et si tu n'as rien à faire, tu peux me donner un coup de main et pourquoi pas comme ça on discute. Tu me parles de trois trucs sur la médecine, genre par exemple pour m'apprendre à faire des premiers soins parce que ça fait mal un peu. Bien sûr, il n'y a pas de problème. On va aller à l'hôpital et puis on va regarder. Enfin, on va s'occuper de ça, il n'y a pas de souci. Bah, voilà, après, ce sera peut-être l'occasion de peut-être gagner quelques dinars. Pour toi, quoi. Bah, du coup, moi je prends Renard pour m'assister et en même temps voilà, lui apprendre un peu à se débrouiller avec l'appareil parce que c'est à ça que ça sert. Et voilà, moi je vais utiliser Toric comme assistant et vraiment en fait j'ai envie qu'il me parle de médecine, j'ai envie d'apprendre un peu le truc. Et sincèrement, parce que pour le coup, c'est vrai que j'ai des connaissances en sciences et du coup, je peux me débrouiller un peu, mais c'est vrai que si jamais un jour on est vraiment dans la mouise. Hein, pouvoir aider et pouvoir m'aider aussi. Voilà. Okay. Juste en discussion, tu vois, vraiment faire un vrai... Vous avez deux quartiers à traverser, donc vous avez l'occasion d'en parler. D'ailleurs, j'en profite. Est-ce que vous décidez de faire un tour lorsque vous passez au niveau du cirque et de la salière, ou est-ce que vous décidez d'y aller plus tard? Je sais que Toric, soit ça t'intéressait. Parce que c'est sur chemin. Ouais, on peut passer, devant. Ouais, il n'y a pas de souci. Ok. Simplement sur la route, quasiment à côté donc, du cirque qui actuellement est fermé, vraiment presque en face, vous avez légèrement excentré une espèce de grande salière. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, salière. Ce salière, c'est le nom de l'objet, mais est-ce que c'est aussi le nom du bâtiment? Une salerie. Je crois que c'est plutôt une salerie. Je crois que depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je ne sais rien. Une salerie me semble beaucoup plus appropriée, oui. Bref, du coup le fameux bâtiment. Vous décidez d'abord de vous rendre à l'hôpital?
Bah non, bah si c'est sur le trajet, autant passer directement par le trajet. Bon, moi, le bâtiment est fermé, les volets également, et vous avez une grande porte. Ça semble être fermé. Vous toquez, et vous n'avez pas de réponse. Vous n'entendez pas de bruit, d'ailleurs, de l'autre côté. Bah, si c'est fermé... Je sais pas. Vous êtes en pleine journée, c'est un peu étrange, un truc fermé en pleine journée. Si vous n'êtes pas un jour où c'est censé être fermé, mais. Ah, à la base, ce serait censé être ouvert normalement. C'est assez étonnant d'acheter un espace aussi visible et aussi cher, parce que vous êtes vraiment quasiment au niveau du centre de la route et qu'il soit fermé. Est-ce que c'était quoi exactement le message qui était écrit? J'ai plus le message. Il y avait écrit rendez-vous donc à la salerie avec un petit plan destiné au truc et ça parlait de la livraison d'une cargaison de sel et d'une forte somme d'argent à côté. Ça parlait de quelque chose comme 150 dinars, même plus, 300 dinars, 350 dinars. T'as des espèces de calculs un peu étranges. En tout cas, tu savais pas que le sel valait aussi. Mais tu connais pas. Parce que là, la seule porte pour entrer, c'est celle-là. Après, ouais. Le reste, c'est... Oui, après, le bâtiment est mitoyen avec d'autres bâtiments, d'autres boutiques, des petites épiceries, et puis une espèce de petite poissonnerie où, vu l'odeur, les aliments semblent pas frais du tout. Le cirque, il est juste en face, c'est ça? Quasiment, ouais. Flux, est-ce que ça te dit qu'on aille juste demander un peu pourquoi c'est fermé en face? Je suis pas pressé, allons-y, Toric. Ouais, on peut y aller. Hein. Donc, du coup, on se dirige dans le cirque. À l'intérieur, vous voyez Jacques en train de mettre de l'ordre et lui-même de faire les comptes d'une commande qu'il a dû recevoir. Vous voyez plusieurs cargaisons, plusieurs bouteilles d'alcool dans des petites caisses en train de faire ses comptes. Ah, bonjour. Bonjour. On est fermé, si jamais, je ne sais pas si... Non, c'est juste une petite question. Je profite que ce soit ouvert pour venir vous voir. En fait, vous savez ce qui se vend ou ce qu'il y a dans ce magasin juste en face? Donc, je montre la salariée. Fais-moi un test de charisme négociation. Je suis vraiment nul, mon négo. Négociation. Alors, 3 succès, 1 déclencheur. Combien de succès? 3 succès. Bah écoute, c'est toujours mieux que moi. J'ai fait 2 succès et une critique. Tu vois Jacques, il baisse un peu le son de la voix. Et te fait... On n'y vend pas que du sel, quoi. Je vous ai rien dit, hein, mais c'est bien connu que dans les caisses, on aime cacher quelques bourgeons à récupérer ici et là. En fait, la nuée du sang qui a élu domicile à l'intérieur fait complètement commerce de ça. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Ils vont vous vendre du sel comme si de rien n'était, mais ils sont fermés, vous avez dit? Oui, enfin, nous avons essayé l'entrée, enfin, et le magasin est fermé, tout simplement. Ça, c'est pas commun, par contre. Ils laissent toujours quelqu'un à l'intérieur, normalement. Je me dis bien, surtout que nous avons des informations de livraison de sel, évidemment. Du coup, on s'attendait à ce qu'il y ait des gens pour réceptionner, quoi. Oui, c'est embêtant, oui. Bah, je sais pas trop quoi vous dire. Si jamais vous êtes en train d'enquêter sur un trafic de brûlure, et Dieu en est témoin, il n'y a pas de ça chez moi. Moi, je vous dirais d'enfoncer la porte avec vos collègues.
Mais ils sont bien une dizaine en temps normal, alors je vous conseille de venir accompagner et armé. Dans un premier temps, on n'est pas venu pour en faire quoi que ce soit de répréhensif. Ah C'était bon, je comprends. vraiment par curiosité, hein, si je puis dire. Mais comme Oh. le bâtiment était fermé, on est venu vous voir pour savoir est-ce que c'était Vous normal ou êtes pas. là Mais... par curiosité, je peux vous rediriger vers d'autres commerçants avec qui je suis en relation et avec qui j'ai l'habitude de faire affaire. Après, Pourquoi pas? vous Pardon? verrez ça avec Efflux. Oui, voilà, je reprends bien un petit nom ou deux. Bien sûr, je vais vous donner une petite liste de marchands de sel des terres putains. Et si vous en effet, monsieur Wade fait une petite liste de noms, de contacts. Dites-leur que vous venez de ma part, ça me fera de la pub. Et vous vous nommez comment? Enfin, que je puisse vous nommer auprès de ces gens-là. Jacques. Bah, merci beaucoup. Jacques du cirque, les gens connaissent. Ok. Mais donc vous dites que habituellement c'est ouvert à cette heure-ci. Ah bah oui, il y a toujours au D'accord. moins une personne pour être certain qu'il n'y ait pas une descente de la milice à l'intérieur. On ne sait jamais, hein, D'accord, ça d'accord. Ok. un nid sans défense. Alors, soit, merci beaucoup en tout cas, et puis je vous Merci souhaite à vous. une bonne journée, hein. Très bien. Et là-dessus, vous repartez en direction de l'orage, du coup? C'est ça, en direction de l'orage. Très bien. Pendant cela, Jacquard, j'aimerais savoir ce que tu fais, toi. Pendant que Mokosh est parti faire le marché et le Alors, reste du groupe. eh bien, justement, j'aimerais aller chez les là où il habite Lito. Ok. En effet, tu sais où il habite, donc c'est un appartement qui est au sud de Port-la-Gagne, pas très loin de chez vous. Et j'aimerais essayer de rentrer, de rentrer notamment dans les appartements font face, enfin je sais pas du coup lequel est celui de Lito, mais voilà, j'aimerais regarder un peu, analyser les caches, Tu tout peux lui ça. demander si tu veux en partant, hein. Bah en fait je voulais un peu m'introduire par effraction pour trouver dans celui des vieilles, quoi, donc je sais pas Ouais, t'en si. avais déjà parlé avec lui, donc je pense. Enfin, t'as pas l'impression que ce sera spécialement opposé à ça. Ouais, Il alors y avait qu'est-ce parlé de qu'il. crochetage, de payer des types, hein. C'était. Ouais. Ah merde, du coup, oui, j'ai ni l'un ni l'autre. Pardon? Mais du coup, j'ai ni l'un ni l'autre pour. Ah oui. Ah, tu crois que je peux te. Enfin, bref, ça se trouve, il y a mon pot de porte. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit, du coup, en tout cas, lui? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu veux que Je je lui t'accompagne demande. sinon? Quoi? Tu veux que je t'accompagne sinon? C'est pas loin. Ouais, voir, ouais. Je peux toujours faire le guet dans le couloir. Ouais, parfait, parfait. Allons-y, on va laisser Gérard s'occuper de la sacristie. D'ailleurs, j'ai pas précisé, Fuchs, est-ce que t'as pris Renard avec toi ou pas? Oui, je l'avais indiqué. Effectivement, Il je prends Renard parce que c'est. me semblait que ça servait justement à ça d'avoir inférieur, ouais, c'est tout ça. Du coup, en effet, tu diriges là-bas et donc tu rentres dans une espèce de petite habitation. Enfin, pour l'instant, de petits halls d'habitation qui donnent accès à plusieurs portes. L'une donnant sur là où habite Flux, donc sur une espèce de petit appartement. L'autre sur l'appartement, mais alors c'est un petit peu compliqué parce que Lito a presque une espèce de grande chambre avec un grand salon. Sur un étage, tandis que les autres, les poissonnières, sont en face, mais ça donne sur deux étages. Puisque c'est deux maisons qui sont côte à côte. Je sais pas si c'est très clair, peut-être que Pierre, je ferai un petit croquis pour expliquer ça. Mais on a deux maisons mitoyennes reliées par un même couloir, donc qui les sépare, en fait. Puisqu'avant, ça devait être sans doute une grande maison, et donc il y en a une qui est restée un peu une espèce de petite maison, et l'autre qui s'est transformée en plusieurs appartements. Soit accessible depuis dehors pour ceux du bas, soit accessible depuis l'intérieur pour ceux du haut. Dans tous les cas, elle dirige vers les portes qui donnent vers chez les poissonnières, donc qui sont en fait les portes en face des siennes, et tu fais bah c'est là. Y a une serrure? En effet, il y a une serrure, ouais. Tu veux me passer ta clé, Il donne sa Lito? Est-ce qu'elle marche? Est-ce que ça me semble alors? tente
Malheureusement, non, elle rentre pas complètement. Bon. Comment ça se profile ce... Enfin, je veux dire, quand je regarde un peu, je vois juste un petit loquet en métal. Bien solide. De l'autre côté, si tu regardes un peu dans la fente, tu vois qu'il y a deux silhouettes qui se forment. Donc, il y a sans doute simplement celle qui sert à retenir la porte et en effet le verrou. Sans doute qu'avec un gros coup de pied ou peut-être qu'en plaçant. Alors, je veux dire, ta lame, mais t'as pas de lame, donc avec ton marteau, ça va être plus compliqué. Ouais, bah dans ce cas, sans doute qu'un gros coup de pied dans les gonds, enfin dans la serrure pour la faire sauter. Ouais, mais c'est pas très. Le but, ça. Ça laisse quand même des traces, quoi, non? Sinon, faut payer quelqu'un pour la crocheter. Bon, au moins je sais à quoi m'en tenir maintenant. Merci, je vais essayer de trouver quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Là, je vais reprendre avec Elflux et Toric. Là, cette fois-ci, vous êtes arrivé au niveau de l'hôpital de campagne de l'orage. Flux, tu constates que le regard des fléaux semble être plus insistant que d'habitude, tandis que tu traverses cours argent. Je ne saurais pas trop pourquoi, mais personne ne vient te voir directement non plus, alors tu te diriges au niveau de l'hôpital avec Toric. Lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous allez retrouver la vieille ampe. Qui, comme d'habitude, est dans son bureau à l'étage, son magnifique bureau. Vous la retrouvez en train de contempler et de toucher de la main le tableau qui était accroché à l'arrière de la pièce. Et elle te dirigera au niveau des machines qu'il faut réparer. Renard y jette un coup d'œil. En effet, l'une d'entre elles semble être vachement plus dans sa spécialité, tandis que l'autre pour la tienne. Puisque pour la première, tu auras besoin d'un test d'intellect engineering. Pour la seconde, un test plutôt d'agility crafting. Enfin, en réalité, pour la première, c'est soit engineering, soit science. Mais j'imagine que toi, c'est plutôt la technologie qui t'intéresse. Oui, je confirme. Ouais. J'allais essayer de négocier, genre en mode RP, genre c'est de prendre science, ouais. Et tu m'expliquais. Mais en fait, ça fait le même nombre de dés, mais... Pour le roleplay, j'aimerais bien faire un jet d'intellect science et voir si je peux avoir un dé bonus. Parce que Toric m'explique comment ça marche dans la science. Ouais, très bien. Très bien, très bien. C'est accordé. En plus, vous prenez votre temps, vous êtes là tranquille à l'orage. Donc, vous avez plusieurs machines. Pour vous donner une idée, parce que je ne sais pas trop décrit, vous avez une machine qui est une espèce de machine à, pas à respiration, mais un respirateur artificiel. Qui malheureusement marche pas du tout et peut être très utile pour sauver des personnes, notamment les ferrailleurs qui sont souvent envahis de fléaux au niveau des poumons ou autre. Donc c'est quelque chose qui peut être très important. Et de l'autre côté, vous avez différents appareils d'analyse qui datent probablement d'avant les Chatons, donc du monde d'avant, et qui ont été récupérés et retravaillés au fur et à mesure, mais qui du coup avec le temps tombent souvent en panne. Qui sont des scanners qui servent à faire des radios ou des IRM, qui ont été installés ça, mais en fait là, c'est des appareils qui coûtent très cher, et l'hôpital n'a plus l'argent pour les restaurer en temps normal, ou en racheter de nouveau, ça coûte extrêmement cher comme machine. C'est déjà pas mal qu'ils en aient, mais c'est vrai que ça ne servait plus à rien. Combien tu te fais de succès donc? 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Combien de déclencheurs? 2. Ah, ok, très bien. En effet, tu commences à retravailler ces machines et ça te rappelle un petit peu ta combinaison de chroniqueurs. En fait, ça marche relativement de la même manière, c'est juste que la structure n'est pas vraiment la même. Alors, déjà, tu remarques des trucs un peu débiles qu'ils auraient presque pu corriger eux-mêmes, comme le câble d'alimentation relié au générateur de l'orage qui est plus fonctionnel. Donc, en fait, quoi que tu fasses sur la machine, elle n'était pas prête de s'allumer, mais ça, ils s'en étaient pas rendu compte. T'en profites aussi pour voir ce qui fonctionnait plus à l'intérieur et retravaille du coup toute la partie interne. Certains, tu vas devoir avec l'aide de Renard refaire certaines soudures et refaire certains câblages, changer certains câbles également, décrasser tout ça.
Pareil, certains ventilateurs, certaines machines étaient remplies de poussière. Vous avez même trouvé le squelette d'un animal mort à l'intérieur d'une d'entre elles, une espèce de bête qui est rentrée par le ventilateur et qui s'est retrouvée bloquée de l'autre côté, mais il y a peut-être des années. Vous démontez tout ça, vous allez sans doute y passer une bonne partie de la journée, mais ça semble bien parti en tout cas. Renard également se débrouille très 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 bien, en effet elle s'y connaît vraiment très bien, et la combinaison du savoir-faire d'une ferrailleuse et d'un chroniqueur, c'est relativement efficace. Puisque toi, tu connais mieux les choses, mais elle, en pratique, est beaucoup plus douée que toi parce qu'elle passe son temps à triturer des trucs. Donc, d'un côté, on a le savoir et de l'autre côté, on a la pratique. Mokosh, je vais retourner de ton côté et savoir comment est-ce que tu occupes le reste de ton après-midi. Donc là, tu as fait les courses avec Dali qui commence à installer son jardin et tu te retrouves à l'intérieur de la sacristie. Lito est parti, visiblement. Mais il reste toujours Lilith et Gérard pour surveiller l'endroit, tandis que Dali s'occupe de l'arrière. Je crois que j'ai dit Lito à nouveau. Je sais plus ce que j'ai dit, mais du coup, il reste pardon, Gérard, l'orgastique, ainsi que Lilith. Non, je vais rester actif, je pense, plutôt que je vais retenter une visite du cirque et Ok. d'aller revoir le monsieur qui a pas peur de moi. Ok, donc tu retraverses les deux premiers quartiers et tu arrives jusqu'au niveau du cirque où tu retrouves Jacques. Lorsque tu rentres à l'intérieur, il te fait Vous venez pour la salerie, vous aussi? Je croyais que c'était un cirque ici. Bon, je sais pas, vos collègues tout à l'heure, ils sont passés, ils m'ont interrogé, ils m'ont posé des questions sur la salerie en face. Je vous sers un verre? J'étais Oui. justement en train de. Tu vois qu'il te le sert, il semble pas avoir l'intention de te le faire payer celui-ci. Les clients sont pas encore vraiment arrivés. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Rien, rediscuter de ce dont on a déjà discuté. Ah oui. Bah, il devrait pas tarder, j'en ai parlé un petit peu avec Blanchard, mais je reste sur mes positions. Hein. Enfin, c'est pas contre lui, hein, ni contre eux-mêmes, mais. C'est pas ce qui intéresse les gens ici. Le théâtre, c'est bien joli, mais moi, ça fait venir moins de clients. Enfin, j'en suis quasiment persuadé. Et, ça fera venir moins de clients, ça va me donner une mauvaise réputation. Ça... Et puis ça coûte cher ici, vous savez. Je suis en plein Non, centre-ville. attendez. Je comprends l'idée que ça rapporte moins et que ça amène une mauvaise réputation. Vous vous foutez de ma gueule. Ouais, je vais peut-être un peu loin, c'est vrai, mais enfin, je veux dire, le théâtre, c'est pas vraiment un truc digne de Toulonnie, c'est plus un truc de. C'est plus un truc de néo-libyen, quoi. Et ça vous intéresse pas d'attirer de temps en temps de la clientèle néo-libyenne? C'est Oui. pas eux qui, dès qu'ils marchent, il y a des pièces qui tombent partout? Vous savez, ils n'en ont rien à faire des bars dans les terres putains. Jamais ils vont venir dans un endroit comme ça. Au mieux, j'arrive à attirer des spitaliers de l'orage, mais c'est pas gagné déjà. Sinon, les Helvétiques. Et sinon, bah, c'est que les gens du coin, quoi. Que les gens du quartier. Puis de temps en temps, quelques groupes de voyageurs tels que les vôtres. Une fois, j'ai eu une nuée. Ils ont travaillé pour moi aussi, ils ont fait un peu le show pendant quelques nuits, mais ils consommaient tellement d'alcool et ils mangeaient tellement qu'ils ont fini par payer plus cher que ce que je les avais payé. Il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait au moins vous faire considérer l'idée de d'essayer? Ah. Je sais pas trop, non. Non, mais moi je suis pas très fan de ces histoires. Enfin, je veux dire, c'est quand même mon bar, quoi. Est-ce que je viens vous voir, mouvou, à la sacristie pour vous demander de voilà, de faire des trucs de théâtre? Bah, je crois pas. Non, j'ai pas l'impression non plus. Vous faites comment pour vous approvisionner en nourriture et ce genre de choses? Ça dépend. En général, j'ai tendance à m'apprivoiser.
Je vais pas réussir à le lire non plus. J'ai tendance à procurer des fournitures auprès des commerçants locaux, des chasseurs, des pêcheurs. Et pour l'alcool, ça, il n'y a pas de secret. Je me fais livrer, je paye ça. Souvent, c'est acheminé par les gros bateaux au niveau du port. Des caisses entières qui sont achetées sur les routes maritimes depuis Tripol et qui sont envoyées jusqu'à chez moi. La moitié de ce que vous payez pour de la nourriture. Pardon? Ah. Je vous propose de la nourriture pour la moitié de ce que vous payez habituellement. Ce ne sera pas autant que ce que vous avez, en tout cas, donc vous devrez acheter ailleurs aussi. Mais ça peut aider. Fais-moi un jeu de négociation. 3 réussites, dont un déclencheur. On va faire un test de volonté. On passe. 3 réussites aussi, t'as fait un déclencheur, tu m'as dit? Oui. Bon, ben, j'imagine dans ce cas-là que ça permet de prendre l'ascendance, ça permet de trancher l'égalité. Après une réflexion assez lente, tu vois, qui finit par se décider. Ouais, c'est d'accord. Très bien. Ben, vous aurez votre livraison dès que ce sera prêt. Je vous remercie. Eh ben, on se retrouvera pour la première séance de théâtre. Un grand événement, à n'en pas douter. Bon, je vais boire ma boisson d'un coup, d'un trait, et je vais quitter les lieux. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Tu t'en vas. Je vais revenir à Toric et F-Lux. De votre côté, vous avez fini de vous occuper de toutes les machineries et de remettre en marche, de désosser, d'avoir, voilà, on remet un petit coup de neuf à tout ce qui tournait autour de l'orage. Vous en avez profité, vous avez eu de bons scores et vous en êtes plutôt bien sorti. Vous en avez profité pour vous occuper également de tout ce qui était aération, ce qui est quelque chose qui compte particulièrement pour l'hospitalier, d'avoir un air pur. Ainsi que vérifier quelques systèmes de sécurité au niveau de la réserve. Vous retournez voir la vieille Ambre qui vous félicite. Eh bien, ça me rendrait presque nostalgique du temps où les chroniqueurs dominaient la ville. Si on pouvait avoir de l'aide comme ça plus régulièrement. Mais moi, je serais là régulièrement. Et Toric aussi, d'ailleurs. Elle te sourit, ouais. Bah, moi j'y travaille. Quelques médicaments supplémentaires en plus de dinars. Oh, et bien, honnêtement, ça m'a l'air très généreux de votre part. Vous l'avez bien mérité, on en a plus beaucoup, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Elle en récupère quelques-uns à la réserve, elle vous accompagne. Vous êtes autorisé à y rentrer, puisque de toute façon, vous êtes déjà venu ici pour faire quelques réparations. Normalement, c'est interdit au public. Vous allez voir le pharmacien Gossen, qui vous donnera quelques cachets supplémentaires. Quelques bandages, également quelques trousses de soins assez basiques. De quoi vous faire une petite réserve, pas énorme, mais voilà, vous avez... du matériel de premier secours que vous pourrez entreposer par exemple à la sacristie ou prendre avec vous lors de vos missions. Vous repartez, sauf si vous avez autre chose à faire. Alors, j'aurais quelque chose à proposer, à demander. Comme l'avait signalé Flux, en fait, il avait émis le souhait que pendant que qui travaillait sur la réparation, je lui explique un petit peu, oui. Je fasse un petit peu des cours de médecine pour l'améliorer, hein, pour qu'il s'améliore un peu plus là-dessus. Alors, est-ce que il est possible que je fasse un jet et savoir si le temps passé a pu peut-être l'aider à s'améliorer, En effet, on va faire un petit jet combiné entre vous deux. T'en profiteras aussi peut-être pour prendre une pause à la fin lorsque vous aurez fini pour boire un coup ensemble un verre d'eau frais sortie des réserves de l'hôpital. Ouais. Et d'aller poser peut-être au niveau de ton bureau
Vous avez sans doute des mannequins anatomiques qui servent pour s'entraîner ou préparer quelques opérations qui permettront d'enseigner tout ça. Fais-moi un petit jet de charisme leadership, je pense. Ou expression, c'est à toi de voir. Je préfère leadership. Si, si, je peux le dire. Et de ton côté, je vais te demander un G, je pense, d'intelligence médecine. Ou intelligence focus, plutôt. Ça marche mieux. J'aurais pu faire la compétence en question que, sur laquelle vous essayez de progresser, mais intelligence focus, ça marche bien aussi. Puisqu'en plus, il me semble que Flux, ça focus. Donc, il ne travaille pas à l'instant. Trois réussites dans un déclencheur. Ok. Trois réussites, dont deux déclencheurs. Très bien, intéressant. Du coup, Flux, tu étudies un petit peu tout ça. Je vais te demander également, Torix, s'il te plaît, de me faire un jet de instinct perception. Quatre réussites, deux déclencheurs. Très bien. J'avais 4 dés. Fouiller la réserve pour essayer de trouver de quoi enseigner tout ça à Flux. Tu retrouves également un vieux manuel de médecine que normalement on donne aux jeunes recrues, mais bon, ici vous n'en avez pas. Vous avez une petite pile de plusieurs bouquins. Pour rappel, toi aussi tu en avais un à l'époque lorsqu'on commençait à jouer, mais on t'en avait débarrassé parce que il ne te servait plus parce que tu étais trop au niveau. Je ne me rappelle plus exactement de ses caractéristiques, mais je vais le retrouver assez rapidement. C'est simplement un livre qui te permet, je crois, d'obtenir un bonus de plus 2 à ton test de médecine si tu n'as pas trop de points. En gros, en fait, ça comble des lacunes que tu pourras avoir au niveau de tes stats. D'accord, d'accord. Du coup, le manuel est celui que tu pourras ajouter à ta fiche de personnage si tu le souhaites, et qui est donc un livre illustré sur les rudiments de la médecine, te conférera plus 1 dé à tes tests d'intelligence médecine tant que la valeur de médecine est inférieure ou égale à 2. Un peu compliqué. L'idée là. En plus, Flux. C'est quoi son nom, du coup? Le manuel, il s'appelle, tout simplement. Ah, assez sobrement intitulé, le manuel. Bon, ben voilà, ça a été... journée de réparation. Jacquard, comment est-ce que toi, tu aurais occupé le reste de ton après-midi, après avoir tenté une première fois d'observer la serrure par laquelle vous voulez t'introduire? Alors, Lilith. Oui. J'ai fait quoi encore? Est-ce que tu t'y connaîtrais pas un peu par hasard en crochetage? C'est le juge qui dit ça. Si, bien sûr. C'est comme ça que j'ai réussi à m'enfuir de l'orphelinat la première fois. Je te donne 5 dinars si tu fais un boulot pour moi. Ok. Bon, bah, viens. Et tu la ramènes jusqu'au niveau des appartements, des poissonnières. Je vais faire un petit test quand même. Oh merde. Terrible. J'ai fait 4 déclencheurs pour 5 réussites. Elle arrive au niveau de la serrure, sort tout le matériel adéquat qu'elle avait rangé, s'introduit à l'intérieur et en 2 temps 3 mouvements t'ouvre la porte dans un silence incroyable et d'une précision et d'une rapidité que t'as jamais vue. Tu veux bien faire le guet pour moi ? Même elle semble étonnée de ce qu'elle a fait et la porte s'ouvre, te laissant place à l'appartement. Tu veux bien faire le guet pour moi ? Elle hoche la tête et se met dans le couloir. Alors, comment il est, cet appartement? À l'intérieur, donc, tu découvres une espèce donc, de mi-appartement, mi-maison, puisque c'est sur 2 étages. Et que c'est un duplex. En 2, ouais, exactement. assez grand et assez bien rangé. T'as plein de petits trucs, de petits souvenirs qui sont accrochés ici, à droite, à gauche. Des espèces de sculptures en forme de poisson ou des petits trophées qu'elles ont accrochés là. Des morceaux de ferraille un peu avec des formes rigolotes. Certains justement pareil en forme qui rappellent un petit peu la mer. Qui ont été, qu'elles ont dû ramasser sur la plage et qu'elles ont accrochés. Il y en a toute une série sur un mur. Tout est assez bien rangé. T'as également de vieux fauteuils qui doivent dater de tu sais pas quand.
qui ont été posées au niveau des fenêtres ou depuis à travers lesquelles on peut observer la rue en bas. Les rideaux aussi sont assez jolis et assez élégants. Tu trouves une table principale dans la première pièce dans laquelle tu es, ou qui semble être le salon, avec du coup plein de petites chaises rangées et plusieurs couverts déjà mis avec des fourchettes et des couteaux bien alignés, bien droits. Déjà prêts pour le dîner de ce soir quand elles rentreront de leur journée de travail. Oh putain, tu me fais peur, j'ai cru qu'elles étaient déjà là. Non, non. Non, non, là, l'appartement est vide à ce temps-là. Ok. Étant donné qu'on joue en même temps que les autres, techniquement, là, on est encore en pendant l'après-midi. Bon. Tu vois aussi qu'il y a une espèce de petite commode, tu sais. Ouais, voilà. Voilà, avec quelques documents. Tu fouilles à l'intérieur. Et tu trouves globalement, surtout, en fait, des relevés de transactions, des commandes passées avec des pêcheurs locaux. Pour récupérer du coup leur poisson. Rien qui paraît anodin à tes yeux. En dirigeant dans la pièce en dessous, tu découvres cette fois-ci du coup leur lieu de vie à elle. Il y a plusieurs chambres avec des vieux lits assez grands qui ont été déposés là. Des petites tables de nuit et des petites lampes. C'est vrai qu'ici, l'électricité, tu l'as presque oublié, est présent dans le quartier. Donc, les gens ont des lampes de chevet, ont des ampoules. Pareil, tu n'y trouveras rien qui sorte du commun. Au contraire, tout a l'air relativement normal et classique. Même sur le mur, à la fin du mur ornant le couloir, tu auras le symbole de la ville, donc de Toulon, qui a été peint sur une porte, ce qui serait peut-être étonnant de la part de quelqu'un qui vivrait, qui viendrait de la Borca. Puis, dans la dernière chambre, tu découvriras, ce qui semble être les actes de propriété de leur maison ainsi que de leurs étals. Et ils sont qui, en effet, sont datés de bien avant la fuite comment ouais, il s'appelle de... Alors, il me semble que c'est l'empoisonneuse. Attends, c'était son surnom. Des choses comme ça. C'était les destructeurs de marteaux, le nom. Ah. Ouais, du coup, on parle de Heisenberg. Ouais, on dit ça. Donc, toi, tu cherches Cornelia Heisenberg. A priori, ça semble pas vraiment coller. Ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vieilles dans la ville, donc c'est juste a priori pas l'une d'entre elles. En tout cas, ça te paraît assez étonnant. Ça te paraîtrait assez étonnant. Okay. À moins qu'elle ait prévu qu'on vienne s'infiltrer chez elle et qu'elle ait un peu tout dispersé, changé les documents pour que ça ait l'air de faire vrai. Bon, bah écoute, je vais essayer de ranger un peu tout ça. Ouais. Et puis je vais demander à si elle peut fermer la porte. Du coup. En effet, vous ressortez dans le couloir. Elle referme la porte et vous repartez ni vu ni connu. Le soir même, j'aimerais savoir si vous avez prévu de faire quelque chose tous ensemble ou pas. Moi, j'ai un truc de prévu. Ouais. Bah, du coup, en fait, je voulais en finissant le. J'y pense. Vous vous êtes fait aussi 150 dinars en aidant l'hôpital de l'orage. Donc, je vais les rajouter à l'argent du coup. Et du coup, moi, ce que je voulais, en fait, c'est demander un service à Toric. Bien sûr, j'écoute ça. Savoir si ce soir, en fait, je pouvais aller à la. J'allais dire à Saint-Christie, mais non, ça c'est chez nous. Aller à. Ah, j'ai oublié le nom du quartier, je suis désolé. Saint-Chenil. Oui. C'est ça. Voilà. Saint-Chenil, du coup, aller voir Adonai et lui prévenir, du coup, que l'expédition se fera d'ici 2-3 jours maximum. Et donc, voilà, que les choses avancent. Il risque de pas de répondre de manière très, très enjouée, mais je préfère le tenir au courant. Et de mon côté, je vais pas dormir avec le groupe ce soir. Normalement, je dors à la Saint-Chenil, mais du coup, là, je vais pas faire ça ce soir, parce que j'ai remarqué des regards un peu étranges de...
de fléau. Et comme je suis un peu le seul chroniqueur en ville, j'aimerais ne pas me faire remarquer en retraversant encore une fois le quartier, etc. Et du coup, voilà, juste te demander de prévenir le groupe. Et moi, je vais aller dormir à Ferrailly dans un petit truc. Ok, très bien. En effet, tu peux trouver une piole de ferrailleur. Alors, normalement, les locations sont plutôt à la semaine. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des ferrailleurs qui viennent ici seulement pour la nuit. Mais tu peux trouver ça quand même. Simplement pour. Si tu cherches pour la nuit, pour 3 dinars, tu peux trouver un logement. Ok, bah, je paierai 3 dinars. Ok. Là, du coup, les moi, je vais voir. Ferrailleurs, rien du tout. On trouve une pièce qui doit faire 5 mètres carrés où tu as juste de quoi entreposer de la ferraille. C'est poussiéreux, il n'y a pas de fenêtre, et une espèce de vieux matelas posé au sol. Ça sent pas très bon, machin, ça pue, mais c'est. C'est un coin tranquille pour un ferrailleur pour passer une nuit, vu qu'ils n'ont pas l'habitude de trop stagner, c'est pas mal pour eux. Et tu t'endormiras à développer des machines. Du coup, moi, je vais voir Adonai pour prévenir. Toi, tu vas voir Adonai et du coup, tu le découvres en train de s'occuper. Donc, toi, c'est la première fois que tu t'y rends à Saint-Chenil. Tu lui annonces la nouvelle et tu le vois qui secoue la tête de haut en bas. Bien. Espérons que tout se passe bien pour vous, alors. Oh, il n'y a pas de raison. De ma part. Si on peut rendre service, je sais que vous avez pu me rendre compte que les gens ici ont besoin d'énormément de choses et notamment de soins. Je sais à quel point c'est pas toujours facile et que même si de ma part, les hospitaliers aimeraient en faire plus, aider. Beaucoup plus de gens. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que la lettre de change ici ne vaut rien et du coup, les moyens d'hospitalier sont très limités. Donc, on fait avec les moyens du bord, mais que dès qu'on peut aider, dès qu'on peut soulager les gens de leurs maux, on le fait avec plaisir et. Donc voilà, on va faire au mieux pour que vous puissiez retrouver votre marchandise. Pareil, il hoche la tête. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Une dernière chose. Oui. Vous pourrez leur dire que la prochaine fois qu'ils achètent de la viande, de vérifier leur provenance. D'accord. On a retrouvé des os broyés à travers la chair. Oh! C'était pas très comestible, malheureusement, mais on va dire qu'on s'en contentera. D'accord. Bien, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous remercie.